mesdames, madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce Bistrot Liberté de rentrée. Allez, on va dire de pré-rentrée. On va attendre encore quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Je suis très heureux, je vous l'ai dit, de vous retrouver avec nos sociétaires. Je salue notre avocat, Nicolas Gardère. Je salue notre journaliste du quotidien présent, Caroline Parmentier. Nos journalistes de Boulevard Voltaire, Charlotte Dornelas. Bonsoir, bonsoir Nicolas Gauthier. Et puis, l'excellent président du site de presse écrite Euro Liberté, Philippe Randa. Bonsoir, bonsoir. Avant de vous présenter notre invité, je voudrais vous parler de Lucien de Contenac. Je voudrais vous parler de Katrina, Marie-Élodie, Daniel de Paris, de Jean-Marie de Soliespont, Thierry de Montachet-Villegardy, Paul-Antoine de Féficon. Féficon, c'est, pour que ça soit moins dur, dans la commune de Feyenbach, dans le canton de Schwyz, en Suisse. Alors, ein Begrüßung, unserem Schweizer Freund. Un salut à notre ami suisse, Chantal de La Rochelle. Oui, c'est une nouveauté. Jean de Pommiers, Marc de Canterbury, alors je ne vais pas vous le faire en anglais, Maxime de Chaland, non, ce sera pour la prochaine, Jean-François d'Aubonne, Clotilde et Dominique d'Hermont, Chantal de Montauban, Thierry de Saverne, Christian de Versailles et Lucette de Rennes. Toutes ces personnes ont un point commun, celui d'avoir aidé financièrement TV Liberté au cours de l'été. C'est-à-dire à un moment où, financièrement, c'est plus difficile l'été parce que la chaîne ne vit que de vos dons. Alors merci de faire comme eux, de suivre leur exemple et d'aller lors des petits intermèdes que vous avez sur Bistrot Liberté, juste à la case dons sur le site tvliberté.com. Maintenant, je vous présente notre invité et pour évoquer avec lui quatre thèmes d'actualité. Notre invité est le talentueux écrivain et journaliste Christian Combaz. Bonsoir, Christian Combaz. Alors, Christian Combaz. Alors j'ai dit talentueux, je me suis avancé, mais tout simplement parce que j'ai toujours été, moi, enthousiasmé par Angelo Rinaldi, vous savez, qui était un ponte de la critique littéraire, il avait des points de vue sur tout, il exécrait Houellebecq, je l'adore, il exécrait Simenon, je l'adore, il exécrait Philippe Soler, j'aime plutôt, il exécrait Marguerite Duras, ça tombe bien, et il a parlé de vous en termes parfaitement louangeurs, parce qu'il avait déclaré Combaz à un ton qui frappe tout de suite par son élégance, son aptitude à clarifier dans la psychologie de l'individu les manigances de l'ombre. Mazette. Mazette. Non, mais vous ne précisez pas que j'avais 24 ans. Oui, vous les avez toujours. Quelles sont aujourd'hui les manigances de l'ombre? C'est quoi pour vous les manigances de l'ombre aujourd'hui? C'est la complexité de l'âme humaine qui se réduit de plus en plus. Les gens sont de moins en moins complexes. Il faut s'en... Enfin, en tout cas, par exemple, l'outil télévisuel les traite avec de moins en moins de complexité. Du coup, je soupçonne qu'ils le deviennent de moins en moins. Et c'est très dommage parce que la littérature est justement le lieu de la complexité des êtres. Vous êtes écrivain, vous êtes essayiste, mais alors vous avez été coursier, employé d'assurance, vous avez été contrôleur de théâtre, théâtre des variétés, sur les grands boulevards hein, à Paris. Vous êtes journaliste, photographe, sculpteur, vous avez dirigé le Centre culturel français à Milan. Enfin, finalement, vous êtes un touche-à-tout. Alors comment peut-on vous définir? Est-ce qu'on peut utiliser le terme générique d'intellectuel? Ça va plaire à Nicolas. Non, parce que je suis plutôt un artiste, et puis ce côté touche-à-tout, vous savez, s'explique aussi chez les gens qui n'ont pas de fortune personnelle, c'est par nécessité, et ça a été mon cas. Je me suis un peu disputé avec mon père au lieu de faire des études, j'ai donc été contrôleur au Théâtre des Variétés, puis je me suis rabiboché avec mon père et j'ai fait Sciences Po, donc c'est au fil de la vie, quoi. Donc les gens qui n'ont pas la fortune de départ sont obligés de se débrouiller, donc ils connaissent un peu plus d'expérience que les autres en principe. D'où cette soif de faire toutes les formes artistiques, sculpteur, photographe, essayiste, écrivain, journaliste, chroniqueur. Ce n'est pas des choses qu'on décide. Vous faites ça parce que vous en avez envie, c'est tout. Voilà. J'ai beaucoup dessiné toute ma vie. Voilà. Donc vous êtes un artiste. Et c'est pourquoi je ne suis pas un intellectuel au sens sartrien du terme, au sens après-guerre, au sens gauchiste du terme. J'aime la vie, je sais ce que c'est que la vie, et voilà, c'est tout. Bon, alors, j'indiquais à l'instant votre mission pendant plusieurs années. Vous avez été le président du Centre culturel français. Par nécessité, une fois encore. Par nécessité. Car j'ai été chassé par mon éditeur parce que je pensais mal. Fayard, 2006.
Bon, alors vous êtes à Milan, dans la belle ville de Milan, dans le quadrataire del Oro, dans le quadrataire de l'or, dans le carré d'or, comme on dit. Est-ce qu'il y a, il y a une belle vie, mais finalement il y a aussi beaucoup de critiques. Pardonnez-moi de vous dire que sur le réseau culturel français, dans le monde, il y a quand même beaucoup de critiques à faire. Il y aurait même beaucoup de coups de pied au cul à donner, si vous me permettez l'expression, dans ce milieu qui devrait pour le moins être réformé. Est-ce que vous pouvez entendre ce discours-là, vous qui fûtes président ? Moi, si vous me donnez pour vocation de donner des coups de pied au cul en question pendant les 10 années prochaine, je saurai qui frapper et où. ça c'est sûr. Parce que j'ai subi beaucoup de gens, beaucoup d'ambassadeurs. Le réseau culturel français à l'étranger est d'une nullité effroyable. Nullité ? Oui, d'une nullité culturelle. Je veux dire, ce sont des gens qui sont des diplomates, ils n'ont pas de compétences culturelles particulières. En revanche, ils ont adopté tous les gris-gris de l'époque. L'art contemporain, les installations, tout le vocabulaire de plomb qui va avec, les budgets consentis à Bolsanski dans le genre 100 000 euros pour une bêtise qui dure 3 semaines, ça j'ai vu ça. Voilà. Vous dites, vous m'avez dit avant l'émission que c'est un monde où se côtoyait la suffisance, la modernité militante gauchisante. Ben, gauchisante, c'est pas un mot que je prononce très souvent, parce que je ne suis pas moi-même militant, mais il est évident que quand on vous assène en permanence, y compris dans les réunions de l'ambassadeur, que vous êtes, placez-vous à ma droite, enfin si j'ose dire, voilà, c'est à peu près le genre de plaisanterie que je subissais tout le temps. Dans les dîners de l'ambassadeur sous le plafond des Caraches à Rome, on parlait du président de la République comme du nabo. C'est vous donner le degré ils ont la même taille, je crois. C'est vous dire le degré de respect que ces gens-là, qui sont quand même salariés à un niveau extrêmement élevé et qui ont tous quelque chose comme une rosette à la boutonnière, traitent l'autorité politique, les gens qui les nourrissent, la France elle-même. Car à table, nous avions des gens qui respectaient la France et nos propres ressortissants ne la respectaient pas assez pour les Italiens que nous fréquentions. Est-ce que c'est vrai que vous avez refusé le grade de chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres? Moi, je n'ai pas refusé, mais j'avais proposé, parce que c'était des mains de Jacques Lang. Ben oui, c'est vrai, mais j'y peux rien. Je me serais senti mal de l'accepter, donc j'ai refusé. Voilà. Et vous avez refusé parce que c'était Jacques Lang? Oui, j'ai envoyé une lettre à un monsieur dont je me souviens du nom, il s'appelait monsieur Galanchet. Je lui ai dit que je refusais parce que c'était Jacques Lang. D'accord, mais vous l'avez accepté 12 ans plus tard quand même, grade d'officier cette fois-ci. 5 ans plus tard. Vous avez bien fait, est-ce que vous êtes devenu d'un seul co-officier? Ah oui, j'ai sauté le grade de chevalier, ça a été formidable. C'est un bon coup, ça. Hein, est-ce que tout le monde sache comment il faut faire pour devenir officier? Il suffit de refuser celui de chevalier. Ouais. Autre question d'ailleurs, dans la rubrique Info ou Intox, vous avez été journaliste pour l'Express, le Quotidien de Paris, le Figaro, vous avez été, vous êtes journaliste pour Atlantico, Valeurs Actuelles, mais la rumeur veut que vous soyez tricard au Figaro. Me dit-on, parce que vous avez écrit une chronique contre François Hollande. Alors là, c'est pas une rumeur. Sans blague. C'est pas une rumeur. Deux, c'est pas du tout une parano, parce que tout le monde peut la vérifier. Le 8 novembre dernier, j'ai publié un article extrêmement sévère pour Le Français du Président. Et là, on me comprendra, j'imagine. Et cet article a été visiblement très mal jugé par les équipes, je pense Caspar Kanzer ou quelqu'un comme ça, puisque Le Figaro, qui me réclamait à peu près 4 papiers par semaine, a cessé de le faire le lendemain. Donc il y a forcément un lien entre cet article qui a connu 180 000 clics quand même, ce qui est beaucoup, c'est un niveau électoral, si vous voulez. Je pense que quelqu'un s'est fâché quelque part, et en tout cas, Le Figaro ne m'a plus rien réclamé le lendemain. Vous pouvez d'ailleurs sur mon site internet avoir l'état de la question. J'en fais pas une affaire d'état, mais au moins que la vérité soit. Non, mais est-ce que vous voyez qu'Alexis Brezet et tous ses amis, ils sont soumis à la décision d'un type à l'Élysée? Je crois très volontiers que le cabinet du président téléphone au Figaro. Surtout après ce que j'ai raconté. Allez voir vous-même sur le site internet. Mais vous racontiez quoi? Dites-nous tout, parce que vous n'allez pas être censuré ici. C'est un analphabète. On ne peut pas diriger un état comme le nôtre avec un niveau de connaissance aussi pauvre de la langue française. C'est invraisemblable. C'est pas là pour d'autres aussi, non? Non. La structure même. Non. Sarkozy était incorrect, mais pas barbare. La pratique du langage de François Hollande est barbare. Il emploie un mot pour l'un autre. Je vais vous donner un exemple. Il a dit que Nelson Mandela était un combattant infatigable de l'apartheid. Voilà. C'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une erreur. Non, c'est pas une erreur. Il fait ça tout le temps. Et donc, justement, l'une de mes spécialités au Figaro, c'était d'analyser ces pataquès permanents. Et évidemment, au bout d'un moment, puisque c'était le 12e article du même genre, je pense que quelqu'un s'est fâché au cabinet de l'Élysée. Bon. Une de vos marottes, c'est la dénonciation d'une société qui se construit sur l'incroyable mépris du don.
Alors le don, ce n'est pas celui que l'on fait à TV Liberté, est essentiel, mais c'est celui de la disposition que l'on possède à la naissance. Pensez-vous vraiment que la priorité consiste aujourd'hui, dans notre société, à prôner, comme vous le faites, la noblesse du don ? Priorité peut-être pas, mais qu'il ne faille pas défendre ses dons, ça me paraît la moindre des choses. Nous sommes une société normative à l'envers. Dans l'Allemagne pré-nazie, ou le Japon d'aujourd'hui, l'excellence est poussée à un degré grotesque et les gens se suicident quand ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, c'est quand ils peuvent qu'ils se suicident parce que les autres les empêchent de s'exprimer. C'est-à-dire que le problème de l'école d'aujourd'hui, c'est une école tellement normative vers le bas que l'enfant qui s'exprime mieux que les autres, celui qui calcule mieux que les autres, celui qui joue mieux de la musique que les autres, doit se cacher. C'est comme ça. Alors, et cette noblesse du don, elle est alliée à l'empathie, ce terme à la mode, que vous avez pour les gens, comme on dit, c'est-à-dire les honnêtes gens, les gens de la vie. Vous avez écrit Jean de Campagnol, vous vous exprimez, et vous exprimerez, je crois, sur TV Liberté bientôt, sur ce sujet-là, c'est-à-dire tout le mépris, les injustices que subissent nos compatriotes au sens large du terme. Alors, je suis sensible, évidemment, en fonction de ce que je viens de dire, par définition, dans les campagnes que j'ai beaucoup fréquentées, parmi les gens simples, je suis sensible à ceux qui auraient dû connaître un meilleur sort. C'est-à-dire, en tant qu'intellectuel, évidemment, j'ai beaucoup plus de plaisir à voir un véritable philosophe, quelqu'un qui a lu en se cachant, et quelqu'un qui a un véritable vocabulaire alors qu'il a été maçon toute sa vie. Ça a toujours été mes fréquentations favorites. Du coup, c'est très romanesque et j'en ai casé beaucoup dans mes livres, évidemment. J'espère décrire beaucoup sur votre antenne puisque je vous ai demandé à pouvoir le faire. Et ma spécialité, c'est quand même les gens simples. Les gens simples, c'est des gens romanesques par nature. Voilà. Parfait. Eh bien, écoutez, la noblesse du don, vous allez la découvrir à travers nos 5 sociétaires qui sont à mes côtés aujourd'hui et qui vont évoquer avec vous le premier thème de l'actualité. Alors là, c'est un thème qui va choquer plus d'un parce que là, il y a la confrontation de deux termes, c'est le burkini et les Pokémon. Alors vous allez me dire, il peut sembler quand même un peu incongru de rapprocher les deux termes ou les deux phénomènes, burkini et Pokémon. Non, un Pokémon en burkini, ça peut se trouver. Ça peut se trouver, ça peut même se chercher et se trouver. Mais je pose à chacun d'entre vous cette question. Sommes-nous, dans ces deux phénomènes, burkini et Pokémon Go, sommes-nous face à de simples feuilletons de l'été? Il fallait remplir le mois de juillet et le mois d'août, et vous savez, vous qui êtes journaliste, qu'on peut faire des marronniers, c'est-à-dire des sujets qui reviennent tout le temps, ou alors s'emparer d'un thème et puis de l'utiliser jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, jusqu'à la corde. Est-ce que c'est cela, ou est-ce que c'est réellement, à leur façon, même si c'est totalement différent, des symboles, une nouvelle fois différents, mais d'ampleur différente, mais des symboles de notre société. Pokémon, réalité augmentée, Burkini, réalité de certaines communautés. Allez, noblesse du don, Nicolas Gardère. Noblesse du don. Mais justement, sur la noblesse du don, d'ailleurs, moi-même qui étais un enfant surdoué, je ne vous le cache pas, Martial, j'ai été sauvé par la pertinence de certains de mes instituteurs qui m'ont permis de sauter une classe à l'école maternelle et qui ont créé pour moi un tutorat à l'école primaire. C'est-à-dire que j'allais, dès le CE2, j'allais voir les enfants de CP, les derniers de la classe du CP, pour leur apprendre à lire, leur faire un soutien hebdomadaire. Ça aboutit à un désastre, vous êtes prof à Sciences Po. Et mon goût pour la pédagogie et l'enseignement, et en plus ça m'a retiré énormément de frustration et d'ennui que je subissais au quotidien à l'école primaire, ça... Voilà, fait naître en moi une passion pour la transmission du savoir, mon bon Martial. Enfin bon, on peut passer de la psychopathologie directement au sujet. C'est deux phénomènes différents, je crois, le burkini et le Pokémon, parce que quand vous étiez gamin, mon petit Martial, imaginez le petit Martial Build avec son cerceau et son bâton. Mais c'est con, enfin ce que vous faisiez dans les années 50 ou quand vous étiez gamin, mais c'est complètement con comme activité de courir derrière un cerceau avec son bâton. Non mais imaginez-le. Ce que je veux juste te dire, c'est que, ça que les fort. Moi ce qui me gêne avec les Pokémon, c'est pas que les enfants jouent aux Pokémon. Je veux dire, ouais, entre 10 et 17 ans, j'ai énormément joué aux jeux vidéo, ça m'a pas empêché de regarder les films de Kubrick et de lire Antonin Artaud. Vous savez, mes enfants, mes grands-enfants, ils ont 11 et 12 ans. Mais ils sont à la fois fans de Herman Hesse et de Kev Adams. C'est pas grave que les enfants jouent au Pokémon, et ça a l'air assez amusant. Je sais pas, ils y jouent pas, mais ça a l'air assez amusant. Après, ce qui me rend fou,
et là je pense être un peu sur, dans la même perspective que notre invité, c'est les adultes, les adolescents, qui est des adultes, alors parce que je parle de Kubrick, mais imaginez que Fassbinder et Tarkovsky se sont fait chier à faire des films, c'est pas pour que des adultes jouent au Pokémon. Ça c'est des mornifles, ça c'est du goulag direct. Je veux dire, l'adulte qui joue au Pokémon, non mais c'est vrai. Un adulte qui joue au Pokémon, ça me rend dingue. Il y en a beaucoup. Je trouve ça immoral. Non mais qu'on y joue 5 minutes avec ses gosses, pourquoi pas. Mais que sans avoir d'enfant, on joue au Pokémon. Vous savez qu'on ferait il y a quelques jours, a dit exactement la même chose que vous, en disant que ce qui le rendait fou, c'était les adultes qui étaient sur les patinettes. Là. Voilà. Donc ça peut même être fou. Non, moi j'aime pas. J'aime que les adultes soient les adultes, que les enfants soient des enfants et qu'on mélange pas tout. Et donc les adolescents me rendent fou et je les hais. Je hais les adolescents. Ça c'était le Pokémon, donc pas grave si c'est pour les gosses. Après, la question du Burkina, vous savez, je suis l'avocat de la Ligue de défense judiciaire des musulmans, donc c'est une question discutée avec le président de la Ligue, Karim Achoui, et voir ce qu'il fallait y aller, ce qu'il fallait pas y aller. Bon, il y a une autre assos qui a fait un recours, bon, qu'on n'y est pas allé, j'étais pas très très motivé, je vous cache pas, pour y aller, ça me branchait moins que les cantines de Chalon-sur-Saône et les menus substitutions pour le porc. Ce que je veux juste dire par rapport à ça, c'est que, par essence, tout ce qui a trait au voile et d'autres institutions occidentales signifient la même chose, mais le voile et toutes ses déclinaisons, pour moi, ça participe totalement d'une séquestration du corps de la femme. Parce que c'est toujours cette problématique anthropologique fondamentale, dire on sait toujours qui est la mère, on sait jamais avec certitude qui est le père. Donc il faut séquestrer le corps des femmes, et le voile participe de ça. Voilà. Après, sur le plan là, purement politique de ce qui s'est passé, moi ça m'a semblé absolument ridicule, totalement disproportionné. Ces arrêtés sont, à mon sens, dangereux, déjà parce qu'ils stigmatisent une population, parce qu'ils font des martyrs de quelque chose de beaucoup plus anecdotique qu'on ne le pense. Et l'autre difficulté que j'y vois, elle est plus juridique, et là c'est l'avocat qui parle, c'est la prostitution du concept d'ordre public. Ce beau concept exigeant et libéral qu'est l'ordre public, c'est-à-dire qu'on interdit certaines choses qui ne sont pas prévues explicitement par la loi, mais on les interdit parce qu'il y a un danger de violence physique, de débordement, d'agression, de meurtre. Qu'on interdise au nom de l'ordre public, certes, mais on ne peut pas l'étendre à l'infini l'ordre public, parce que l'ordre public c'est tout et n'importe quoi. Moi j'ai été frappé par votre bon Philippot, et j'ai presque fini Martial, votre bon Philippot, qui prenant argument de cette histoire ridicule de Burkini, commençait à évoquer l'interdiction de la kippa et des grandes croix, typiquement la croix d'Ornelas de 3 mètres, interdite. Je veux dire, c'est ça le risque, c'est ce glissement. Le risque est dans le glissement. Il a précisé, pas pour le personnel religieux. Hein. Je connais pas beaucoup de gens qui se baladent avec une grande croix sans être de personnel religieux. Bon, peu importe. Je ne pense pas du tout. Madonna. Je pense pas du tout. Gauthier, que... au dernier truc de mode. Alors, non, je pense pas du allez, tout que Karine, Burkini soit... qui est toute voile dehors contre le Burkini. Ah oui, vous croyez qui vous l'a dit? Non, comme ça, je le pressens. Allez, allez-y. Non, je ne pense pas du tout que le burkini soit effectivement le feuilleton de l'été, ni un phénomène de mode, ni ne procède de la liberté des femmes qui veulent s'habiller comme elles veulent. Pas du tout. C'est ce que veulent nous faire croire les idiots utiles. Et c'est ce que veulent nous faire croire aussi le CCIF, par exemple, le très communautariste CCIF, par exemple, qui a effectivement, avec Marwan Mouhamad à sa tête et ses amis salafistes, je pense que le burkini est un vêtement politico-religieux. Je pense que c'est une revendication islamiste, absolument, politique, de l'islam politique sur l'espace public. Ce n'est pas la première fois, il y a d'autres affaires comme ça, il y a effectivement l'auto-école aussi islamique qui a ouvert le nom m'échappe, près de Lyon. Là, ce sont les roues qui sont voilées. Oui, c'est ça. Oh, bah, oui. Ah bah oui, c'est la Manna Vermeaux, oui. Dans les années 50, je le lisais. Elle est excellente. Je suis tout à fait de l'avis du sociologue Harwell, Jean-Louis Harwell, qui parle de djihadisation, de djihadisme civilisationnel. Je pense en effet que ce djihadisme civilisationnel gagne petit à petit du terrain, nous impose ses codes, nous dépouille de notre art de vivre à la française, nous dépouille de notre civilisation, de notre culture, de nos mœurs. Merde, ce sont les plages de Brigitte Bardot et pas celles des filles de Ben Laden. Voilà. Pour ma part, moi, personnellement, ce que je vois dans ma campagne, moi aussi je suis à la campagne, eh bien, je constate, depuis l'émergence de l'État islamique et depuis son rayonnement, si je puis dire, que je vois de plus en plus de burkas, je vois de plus en plus de femmes voilées, je vois de plus en plus de jeunes adolescentes voilées, d'hommes en camis, de barbus. Ça, c'est quelque chose que je peux mesurer visuellement dans mon supermarché Auchan, que je peux visualiser à la sortie de l'école de mes enfants, sur ma ligne de train Montparnasse-Plaisir-Grignon. Ça, j'en vois de plus en plus, absolument. De quelle religion
supporterait-on qu'elle voile les enfants, les petites filles, enfin les enfants, mettons les filles très jeunes, et les femmes? De quelle religion supporterait-on qu'elle emballe des femmes dans du plastique en plein cagnard avec un bonnet de schtroumpf? De quelle religion supporterait-on qu'elle préconise que les collégiens ne boivent pas et ne mangent pas pendant toute une journée en plein été? Voilà, je pense que de n'importe quelle autre religion, elle serait taxée de maltraitance à enfants. On poursuit. Nicolas Gauthier, quel est votre plan? Bon, globalement, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais je ne vais pas répéter les arguments de Nicolas et les vôtres à chère Caroline. Non, ce qui me frappe dans tout ça, c'est que si on peut mettre en parallèle l'histoire des Pokémon et l'histoire du Burkini, c'est qu'effectivement, il y a une infantilisation globale de la société. Et ce qui est terrible dans l'histoire du Burkini, et vous avez raison, on est très loin de l'islam avec un I minuscule, que l'islam avec un I majuscule, c'est la culture, c'est la civilisation arabo-islamique, donc c'est les grands califats abbassides, omeyyades, ottomans. Là, on est très loin, on est au plus calal du coin. Quand. Non, c'est plus Haroun el-Rachida. Et ce qui est terrible, ce sont des gens, nombre d'imams ou de prêtres sont penchés sur le sujet, où une certaine frange de la communauté musulmane résument leur propre religion à de simples codes vestimentaires, interdits alimentaires, et ce faisant, ils chassent Dieu de leur propre religion. Il y a même une divinisation du prophète Mohammed, qui n'est jamais qu'un messager. Et cette divinisation du prophète en elle-même est hérétique. Et si l'islam se résume à la longueur des jupes ou des maillots de bain, où est Dieu dans tout ça? Certains protestants n'en sont pas loin, et un truc qui est frappant dans les temples protestants, c'est qu'il y a la croix, mais il n'y a pas le Christ. Bravo! Ils ont viré le Christ. Et dans ce néo-islam 2.0, qui est à peu près aussi crétin que les Pokémon Go, on dit « Où est Dieu ?» Moi, j'ai discuté avec Tarek Oubrou, qui est un grand monsieur, l'imam de Bordeaux, Khaled Ben Sheikh, qui est monsieur qui a la tranche musulmane tous les dimanches à l'heure de l'émission « Le jour du Seigneur ». Merci. Mais effectivement, on a l'impression, quand on voit tous ces gens qui se déguisent en musulmans, c'est comme ils allaient chez Toys R Us, trouvez-moi une panoplie, ah, il n'y a plus Spider-Man, je prends un truc de musulman, quoi. Et ils se regardent prier, regardez, comme je suis un bon musulman, hein, j'ai la barbe ici, le camis là, bon, après il y a les Nike, dernier modèle, et le téléphone 12G, ça c'est pas grave, hein. Mais on a affaire, effectivement, c'est une infantilisation de la religion, quoi. Et avec le dress code qui va avec, et on est très loin, oui, de la mystique soufie, voilà. Alors cela dit, après l'histoire du burkini, globalement je m'en fous, le bikini, ouais. Vous étiez en vacances, il n'y avait pas de plage, mais enfin bon, après tout... Cette religion est toujours plus satisfaisante pour les hommes que pour les femmes quand même, faut être honnête. Soumission de Houellebecq, justement. Non, mais en tant qu'érotoman, arrêtez avec Houellebecq, ça fait deux fois qu'il fait le coup, là, c'est bon. Mais c'est pas une attaque directe, non, je sais bien, mais la présence de 6 millions de Français de confession musulmane pose assez de problèmes pour qu'on n'aille pas s'enferrer dans des querelles vraiment à la con, type maillot de bain, quoi. Je pense que la France mérite mieux, que l'islam mérite mieux. Mais cela dit, ça ne retire rien à la pertinence de vos arguments, chère Caroline. Voilà, Nicolas Gauthier était à 4000 mètres d'altitude, il faisait moins 12, il n'y avait pas de burkini, il n'en a pas vu. Philippe Randa. Vous êtes en Italie, il y avait un tremblement de terre. Hein, donc... Ça, c'est moins drôle. Eh bien, moi, j'aurais au moins appris une chose, qu'il y a des adultes qui jouent au Pokémon. Je l'ignorais. C'est... Je pensais que le scandale cet été venait tout simplement de l'Irlande. Éruption du virtuel dans la vie réelle, d'enfants qui allaient chasser le Pokémon, c'est-à-dire la bébête virtuelle, au sein de gendarmerie française. On s'est dit qu'un jour, ils allaient prendre d'assaut, et pourquoi pas une centrale nucléaire, en pensant qu'il y avait une bébête à l'intérieur, et que là, ça devenait un peu grave, c'est-à-dire qu'on ne voyait plus la différence, c'est-à-dire qu'un jeu allait lancer des tas de jeunes, et donc de moins jeunes, à n'importe où, et il n'y avait plus, là, l'espace public, il était partout. Donc c'était là véritablement le gros problème de ce jeu Pokémon Go. Mais maintenant, s'il y a des adultes qui y jouent aussi, c'est encore plus grave. Quant à l'histoire du Burkini qui nous a passionné toutes les vacances, moi je me dis une chose, c'est qu'on parle de l'aliénation de la femme, que c'est abominable, que c'est un signe évident religieux, bien sûr, mais que les mairies, je ne parle pas des maires qui ont changé, mais les mairies qui ont voulu interdire aujourd'hui ce burkini sur les plages, ce seront les mêmes mairies probablement qui dans 10 ans
vont interdire qu'on se baigne en maillot de bain de pièces. Tout simplement parce qu'avec l'arrivée toujours croissante d'immigrés de culture musulmane, un jour, la proportion fera que la décence publique sera aux normes des musulmans. Et les mêmes qui pratiquent voilà. Le clientélisme donc, dans leur village. Moi, je suis contrairement à vous tous, la plupart des gens ici qui ont dit il faut interdire le burkini, attention, dans 10 ans, on prendra la même loi qu'on votera peut-être dans les temps qui vont venir pour interdire le maillot de bain de pièces parce non, que ça c'est la loi du nom. Là on est sur les fantasmes catastrophistes de Randa. Ah bon, un million d'immigrés l'année dernière, c'est du fantasme. Juste. Il y a beaucoup de gens qui ont des fantasmes. Là où Randa a raison, c'est le glissement. Et c'est ça qui me paraît extrêmement dangereux. C'est-à-dire que là, depuis l'état d'urgence, etc., valse, le liberticide, on est sur vraiment... On glisse, on s'habitue à ce que finalement nos libertés fondamentales soient restreintes parce qu'au fond, la sécurité c'est quand même le plus important, machin. À the end of the day, ce qui se passe, c'est ça, c'est effectivement une restriction des libertés. Et pour vous... Doucement. On a réussi à tenir deux ans sans vous frappiez personne. Si on pouvait terminer. Bon, pour vous, les mal-pensants, disons. Pour vous, les mal-pensants, méfiez-vous. Méfiez-vous, les mal-pensants. Non, mais Nicolas ça Gardel... Vous pourrez... Ce que je veux juste dire, c'est que le mal-pensant, c'est vous. Ce que je veux juste dire, attention, les libertés fondamentales, c'est d'abord... C'est pas la liberté de Nicolas Gardel. Parce que ces femmes sont libres. Elles sont libres. On termine, le sujet, elles sont éventuellement... Je vais vous donner un truc très important. Forcément. Parce que d'elles-mêmes, elles s'habillent comme ça. On ne va pas renvoyer sur la boétie, la servitude volontaire, etc. Mais quand on pose un acte, et là je vais parler en catholique, quand on pose un acte... on le pose par rapport à sa rationalité qui est forcément éminemment limitée. C'est-à-dire que par rapport à une rationalité limitée, mais tout le monde a une rationalité limitée, pas juste les femmes qui choisissent de mettre une burqa. Donc par rapport à leur rationalité limitée, elles posent un acte qu'elles identifient comme un acte libre. Après que, dans une logique beaucoup plus haute, anthropologique, définitive, notamment cette problématique de séquestration de leur corps par un vêtement patriarcal, parce que c'est ça, c'est un vêtement patriarcal, point. Là, peut-être qu'elles sont pas libres à cet égard, mais ça concerne tout le monde. Il y avait un excellent dessin de Sergueï dans Le Monde à la mi-août, où il y a deux femmes en string, les seins à l'air, qui voyaient passer sur la plage une fille en burkini et qui disaient quelle indécence. Comme quoi, l'indécence, c'est une question de point de vue. Un mot, et après je dois donner la parole à Charlotte Dornella, c'est la conclusion à la question qu'on base. Un mot, d'abord, mes fantasmes. Ils ont fait déjà quatre. Hein. Tout petit bikini que le burkina, ça c'est une chose. Et autre dernière chose, si on n'avait pas parlé de ces femmes isolé, seul sur les plages, parce que c'était pas la majorité. Ça aurait fait un plouf, habillé certes. Et il y en aurait eu de plus en plus chaque été. Absolument. Il n'y aurait pas eu plus en plus. Bien sûr sauf que si. Effectivement, comme si, pour les burkas si et les voiles, je suis désolée. Les burkas, on en voit de plus en plus. Et qu'est-ce qu'un burkini? C'est une burka pour se baigner. Hein, je suis désolée. Charlotte, votre point de vue. Alors, le lien, moi, que je vois entre l'affaire des Pokémon et celle du burkini, c'est effectivement ce dont on parlait au tout début d'émission. C'est petit à petit la mort de l'âme. Pourquoi ? Parce que l'énorme différence entre Martial qui joue avec une roue et un bâton et les enfants qui jouent avec qui chassent des Pokémon sur leur portable grâce au GPS du portable, c'est que la roue et le bâton existaient déjà. Ils étaient réels, que ça développait l'agilité, si on veut aller un peu plus loin, et que surtout, personne ne tirait profit du petit Martial en train de jouer avec sa roue et son bâton. Or, derrière Pokémon, donc il y a déjà la question de la réalité virtuelle mais me faites pas dire des trucs horribles que j'ai jamais vu. C'est vous qui avez commencé, hein. Bref. C'est une question de point de vue, hein. Il faut avancer, parce que j'étais obligé de Je suis en train de dire des trucs incroyables et... Allez, Charles. Et oui, c'est que derrière Pokémon, je vais juste prendre un exemple pour faire vite, c'est que les commerçants, par exemple, peuvent acheter aujourd'hui ce qu'on appelle des leurres dans le jeu du Pokémon Go, et pour $100, ils achètent la présence pendant 84 heures
de Pokémon rares dans leurs magasins, dans leurs restaurants. Donc vous pensez bien qu'à la fin, le slogan « Attrapez-les tous » se retourne habilement contre les gens qui jouent à ça. Et c'est évidemment une nouvelle manière d'infantiliser, mais même de lobotomiser les gens jusqu'à ce qu'ils consomment. Et on en revient toujours à cette même... Donc là, il y a la mort de l'âme qui est quand même relativement évidente quand on analyse, ne serait-ce que sur un plan économique. Alors évidemment, après, la confusion entre virtuel et réel, elle est gravissime, puisque... Il y a eu, pardon, ces enfants qui sont arrivés dans des commissariats. Il y a aussi eu des enfants qui ont traversé l'autoroute pour aller chercher un Pokémon. D'autres qui ont violé des domiciles parce que... Bah, oui, Et puis, il y a aussi cette question de la mondialisation. Un jeu qui parle de la même manière à tous les petits-enfants du monde. C'est incroyable quand on y pense. Tous réagissent de la même manière par rapport à ça. C'est hyper inquiétant quand même. Donc, il y a cette question-là, d'abord du Pokémon. Ensuite, sur la question du burkini, c'est un petit peu la même chose parce que si cette affaire du burkini a si bien pris et qu'elle est partie notamment des Républicains et de Nicolas Sarkozy, c'est parce qu'ils savent que sur cette question il y a un large intérêt électoral. Ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que cette affaire du burkini, en fait, il y a une seule chose. C'est que, à la limite, les Français, il y a quelques années, si le burkini était vraiment rare, si le voile était vraiment rare, tout le monde s'en ficherait. On se fiche éperdument de la manière. Le problème, c'est que le voile ou le burkini s'ajoute aux racailles dans les cités qui ont quand même... qui viennent tous, souvent, qui ont tous le même profil, on va dire, plus les revendications halal à la cantine de nos enfants, plus la séparation des hommes et des femmes dans les piscines, et qu'au bout d'un moment, on est là, vous êtes mignons, mais ça suffit maintenant. Donc, le problème, plus les attentats, évidemment, et il se trouve que c'est, on en revient toujours un peu à la même chose, et qu'au bout d'un moment, eh ben, le burkini sur la plage, c'est trop quoi. On est en vacances, vous êtes mignons, mais on n'a pas envie de vous voir. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que, c'est pas du tout un jugement moral sur la réaction que je pose ici, c'est juste un constat. Donc le politique, comprenant ça évidemment et qui a un large intérêt électoral, reprend cette affaire du burkini, en fait 15 fois trop, même moi j'en pouvais plus quoi. Mais il se trouve que, au-delà de ça, effectivement, l'interdiction du burkini par arrêté, elle peut être dangereuse dans la mesure où on donne le pouvoir à des gens en qui, en tout cas moi, je n'ai aucune confiance d'interdire à l'envi ce qu'ils veulent. Et le problème, c'est que ça a été fait au nom, d'une part, pour certains, d'un impératif moral. Mais qui sont-ils pour avoir un impératif moral ? Moi, je ne revendique, enfin, je ne veux donner à personne et à aucun homme politique français, et en plus pas musulman, le droit de porter un jugement moral sur une habitude vestimentaire. On peut porter un jugement moral sur beaucoup de choses dans l'islam, notamment des choses intellectuelles. On ne peut pas porter un jugement moral sur une tenue vestimentaire dans l'islam. Le seul moyen d'interdire aujourd'hui le burkini, le seul moyen légitime d'interdire le burkini pour quelqu'un qui n'est pas musulman aujourd'hui, c'est de dire... Le burkini, à la limite, on s'en fiche de ce que c'est. La seule chose, c'est qu'on n'en veut pas chez nous. La seule justification, elle est culturelle. C'est qu'on n'en veut pas chez nous. C'est tout. Merci Charlotte, merci. Christian Combas, vous avez entendu tous les avis, quelquefois différents, ces deux notions Pokémon et burkini. Vous me parlez de conclusion, je ne peux pas conclure sur des choses que je n'approuve pas forcément, donc je ne peux pas... Mais dites ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez. Alors, vous êtes libre. Je pense bien qu'il y ait des rapports énormes entre les deux sujets. En revanche, j'ai réfléchi à l'un et à l'autre. Et rapidement, cette histoire de burkini me rappelle un peu la quenelle de Dieudonné. C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que, en fait, vous ne pouvez pas courir après une pratique parce qu'il y en aura toujours une déviante qui va aller se glisser, et donc vous rendre ridicule, se glisser derrière l'interdiction que vous venez d'énoncer. Je prends un exemple, pour la quenelle, il y avait des gens qui sortaient sur les plateaux avec une boîte de sauce Nantua. Vous voyez, parce que cet imbécile de Valls avait décrété que le mot quenelle lui-même devenait hors la loi. Je vous signale que dans le Figaro même, je ne pouvais pas employer ce mot-là dans mes articles. Il y a deux ans, on était tombé sur la tête. D'ailleurs, Valls est tombé sur la tête à ce moment-là et on voit qu'il y a encore des séquelles. Alors ça, donc, vous ne pouvez pas courir après les burkinis parce qu'ils vont toujours ruser. Mais non, il n'a pas exactement la forme qui est décrite sur le papier. Alors par exemple, si vous dites à votre fille de se promener avec une combinaison de plongée, ça fait la même chose.
Vous voyez, donc ils ne peuvent que ruser. Avec une interdiction aussi stupide et aussi directe, ils ne peuvent que ruser. Donc il faut éviter que ces gens-là rusent avec l'autorité. Et donc, il faut la rétablir. Et la rétablir dans quoi ? Le privilège qu'elle avait autrefois de définir ce qui était ou non une provocation. Si le flic est habilité par la loi à dire « je reconnais là une intention provocante, je signe un papier, vous avez un PV », c'est tout. Le flic a le droit, enfin la loi devrait lui donner le droit de reconnaître une intention provocante. Alors peut-être que l'avocat ne sera pas mon ami. Ouais, parce que le don dont vous parliez tout à l'heure, je ne suis pas sûr qu'il soit parfaitement partagé par la totalité de nos gardiens de la paix, qui font un boulot extrêmement difficile, et je tiens à laisser lui. Merci, ça m'évitera des ennuis. Merci. Pour résumer, on les salue. Pour résumer, si vous voulez sortir de ces problèmes qui vont se multiplier, parce que maintenant c'est ça, demain ce sera la viande halal, après il a touché du cochon, je ne veux pas lui serrer la main, c'est sans fin. La seule véritable loi qu'on peut remettre dans les esprits, c'est quand vous êtes témoin d'une provocation manifeste qui est là pour troubler la vie des gens, dénoncez-la en tant que telle. L'autorité publique est capable de juger si c'est vrai ou non et de verbaliser. Pardon. Oui, alors vraiment une seconde. J'ai complètement oublié ma conclusion en fait. J'avais un problème avec les arrêtés en eux-mêmes, parce que pour moi c'est juste une prise de décision politique. Si j'ai parlé de l'intérêt politique qu'il y avait derrière, c'est parce que c'est une prise de décision politique qui, encore une fois, se concentre, et en plus pendant des semaines, sur la conséquence de la conséquence de la conséquence de la conséquence de leur propre politique. Et le seul sujet intéressant est vraiment décisif sur ces questions-là, c'est la question de l'immigration, en fait. Si ces gens-là sont là, laissez-les s'habiller comme ils veulent. Enfin, c'est incroyable. Soit on les fait venir et on dit le multiculturalisme, tout se vaut, mais le burkini vaut le maillot de bain, je suis désolée, et soit on décide que non, il y a une culture qui prévaut et qu'on la met en danger si on accueille des cultures et des cultures et des cultures et des cultures. Vous repartez un cran en arrière de mon argumentation qui était simple. Est-ce qu'il y a volonté de nuire à la vie sociale ? C'est assez facile à reconnaître. Oui. Voilà, c'est tout. Oui, bien sûr. S'il y a volonté de nuire à la vie sociale, on la reconnaît et on la verbalise. On arrête là, il y a plein d'autres sujets. Le voile. Attendez, il y a quand même une chose, une phrase. Il y a cette histoire de Pokémon qui est bien plus grave que ça n'a été dit, bien plus grave que ça n'a été dit. Vous ne vous rendez absolument pas compte, parce que probablement vous jouez le rôle du père qui regarde ça de loin parce que c'est du folklore infantile. Non, je suis désolé, c'est la réalité virtuelle future. Vous pouvez acheter désormais des lunettes chez Google, des cardboard, c'est-à-dire des lunettes de stéréoscopie à 9,90€ dans laquelle vous glissez votre téléphone, et ces lunettes vous permettent d'être à Tokyo et en relief en direct. Donc on est là, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une réalité parallèle. C'est pas juste amusant, c'est absolument inquiétant. Il y a une concurrence de la réalité virtuelle par rapport à la réalité normale. Les esprits faibles peuvent y tomber facilement. Les enfants, évidemment, en font partie. Et moi, ça me rappelle cette histoire, vous parliez de mondialisme, de la fascination. Le joueur de flûte de Hamelin qui raconte exactement cette histoire. Voilà. Il fallait le dire. Le voile pour les femmes, c'est Ignace qui s'y met. Alors là, il est déchaîné. Le voile pour les femmes, c'est une histoire de mec, M-E-C-Q-U-E, pour ceux qui ne comprendraient pas. Même les féministes le défendent, son burkini lui appartient. Vacances relookées, C-Henson. Oui. La question divise même les Pokémon, et voilà, le Pokémon burkini. Et puis, Burka, Burkini, et Dupont répond Burke. On se retrouve dans quelques instants. Voilà, nous revoilà sur le plateau de Bistro Liberté avec notre invité, l'écrivain et journaliste Christian Combaz, pour évoquer un second sujet, et pas des moindres. La Corse, est-ce vraiment la France ? Le comportement des Corses face à l'islamisme ne différencie-t-il pas celui adopté par les continentaux ? Est-ce que les continentaux réagissent de la même façon que les Corses face à l'islamisation ? Est-ce que l'État français, lui, se comporte en Corse de la même façon qu'en métropole ? Est-ce qu'en Corse, quand on fait une revendication avec une cagoule, on n'est pas poursuivi ? Est-ce qu'en métropole, si un militant nationaliste français mettait une cagoule pour diffuser les mêmes propos, est-ce qu'il resterait tranquille le lendemain matin chez lui, sans un arrivé de la police ? La question se pose. Les événements de Cisco, donc, nous donnent quelques éléments de réponse et mettent à la une des mots « résistance » et « rébellion » face
à obéissance et quelquefois soumission. Question Combaz. La Corse, ça vous parle, forcément. Ça me parle, ma mère est corse et j'y ai passé quelques étés de mon enfance, beaucoup d'étés de mon enfance. Il y a par exemple une particularité que vous n'avez pas citée, c'est le fait que les jeunes ne portent pas de casque en Corse. À Ajaccio, on circule avec sa moto de 750 sans casque et la maréchaussée ne dit rien. Donc ce n'est pas le seul cas. On a la tête dure. Oui, mais enfin en tout cas. Alors justement, on y vient. Je pense qu'il y a une spécificité propre à la Corse que tout le monde connaît, mais que personne peut-être n'a rapproché de ce défi permanent auquel se livrent de jeunes maghrébins dans leur cité, y compris à Ajaccio, c'est le comportement du mâle dominant. Le problème des jeunes maghrébins dans leur cité, quand ils se comportent en mâle dominant, ils sont dans un pays tout entier qui se comporte en mâle dominant, car c'est l'essence même de la Corse. Donc ils vont porter une parole prenons le cas d'un troupeau de buffles ou d'une troupe de lions. Le jeune mâle qui défie le mâle établi est évidemment, doit s'attendre à avoir un coup de bâton en retour. Ils l'ont eu à Ajaccio avec cette histoire de pompiers, ils viennent de l'avoir sur une plage, donc il ne faut pas aller chercher très loin l'explication, c'est avant tout celle-là. Alors, ce qui est un peu gênant et amusant en même temps, c'est que beaucoup de mâles qui se sentiraient une vocation dominante sur le continent commencent à se dire quand même, les Corses se démerdent pas mal. Moi, la question que je pose, c'est est-ce que le mâle dominant, celui dont c'est la vocation, car c'est la nature, il y en a une poignée, sur le continent, n'est pas un peu émasculé par le discours social ordinaire? Oui, voilà. Alors là, vous entendez le peuple des bâtons tout solides derrière. Les mâles dominants dans le public, quoi. Les mecs, ils sont grassouillets, ils se délivrent, quoi. Je me permets quand même de vous rappeler qu'une forme de libération quotidienne de la violence par l'intimidation mutuelle est le meilleur remède contre une violence de masse. Et que la raison pour laquelle, par exemple, chez nous, il y a très peu, en dehors des islamiques récents, de tueurs de masse à l'américaine, c'est que chez nous, la jeunesse de 17 ans a déjà eu souvent l'occasion d'en découdre avec ses rivaux dans la cour de récré. Aux États-Unis, non, on ronge son frein jusqu'à 17 ans et on tue tout le monde à 17 et demi. Enfin, c'est... Vous voulez ajouter quelque chose? Non, ce que je veux dire, c'est que donc, les Corses ne sont pas entièrement différents. La seule chose quand même que je vois, c'est qu'ils s'éloignent peu à peu, comme la Savoie, la Bretagne. Alors, mon père est savoyard, donc évidemment, je cumule. J'ai écrit un grand-père breton. Non. J'ai écrit un petit livre auquel je vous renvoie, parce qu'il est disponible dans sa quasi-intégralité sur Internet, et qui s'appelle « La France mérite mieux que ça », où je dis, voilà, mon père était savoyard, ma mère est corse. J'ai donc pu analyser la façon dont la France était perçue dans mon propre milieu familial. On s'aperçoit que la France est devenue une sorte de propriétaire dont les locataires font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire la France n'a plus l'aura qu'elle avait avant. C'est la raison pour laquelle les locataires s'aperçoivent que, un, la maison ne ferme plus. Donc un locataire, quand le propriétaire n'assure pas les entrées et sorties de l'immeuble, évidemment, il se défend lui-même. Enfin bon, il y a toutes sortes d'analogies à faire. Je pense que la maison mère France est en largement fautive si les provinces s'éloignent. On va poser la question maintenant sur cette thème-là à Philippe Randa. Il y a un point commun avec vous, sa famille est corse. Et donc, une partie. Philippe Randa, une partie, bien sûr. L'histoire de Cisco, de cette plage, est révélatrice d'une chose, c'est que les lois de la République ne s'appliquent pas plus en Corse qu'ailleurs en France, parce que s'il était possible d'appeler la police quand une famille, en l'occurrence maghrébine, veut s'approprier la plage en expulsant tous les autres pour garder, privatiser cette plage, s'il suffisait d'une intervention de la police comme partout ailleurs, chose normale, pour leur dire non, ce n'est pas une plage privée, et de les verbaliser ou de les empêcher de nuire aux autres, tout se passerait bien, il n'y aurait pas eu de problème, personne n'aurait eu besoin d'intervenir. Si là les Corses sont intervenus, c'est tout simplement parce que la police n'allait pas le faire. Parce que sur le continent actuellement, lorsqu'il y a des actes d'incivisme,
des Maghrébins ou d'autres, d'ailleurs pas forcément des Maghrébins, mais la plupart des cas, la police n'intervient pas parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de troubles à l'ordre public. Et les troubles à l'ordre public, ce ne sont plus les actes de délinquance, ce sont les actions de la police qui pourraient déchaîner les populations. Donc plus personne ne bouge. Donc, sauf que les gens ont quand même besoin de se protéger, la protection est quand même la base de la vie en société. La notion d'ordre public en Corse est largement altérée par le fait que c'est le record européen du nombre de morts par arme à feu et qui dépasse largement la Sicile, je crois, deux fois. Oui, mais donc, qui sont les morts? Attendez, qui sont les morts? Est-ce que ce sont des trafiquants? J'allais y venir. Ou est-ce que ce sont des citoyens normaux? Le rapport à la femme et à l'honneur de la femme n'est pas le même, évidemment. Il est beaucoup moins névrotique que chez certaines populations du nord de l'Afrique. Mais en revanche, on voit quand même les mêmes choses méditerranéennes à l'œuvre. L'honneur de ma sœur, l'honneur de... C'est quand même un leitmotiv. Ouais. Donc, est-ce que le sang coule vraiment dans les caniveaux corses à cause de ça? Oui, absolument. Et donc, c'est assez amusant, c'est ce que je disais au début, c'est la même logique qui est à l'œuvre des deux côtés, sauf que là, elles s'affrontent. Mais oui, c'est ça qui est intéressant, ouais. En effet. La police n'est pas là pour faire la loi. Peuple patriarcal qui est encore plus patriarcal que l'autre. Pour la première fois, les islamistes avec les Corses trouvent à qui parler, je trouve. Et ça, c'est totalement nouveau. Quand le FLNC menace directement les islamistes radicaux, c'est la première fois que ça se fait dans ce sens-là. Et leur dit, si vous touchez... C'est la première fois qu'ils entendent défendre le FLNC. C'est quand le FLNC... J'observe un phénomène, c'est peut-être le mal dominant, comme vous dites, c'est peut-être l'insularité. Vous avez vu ce jeune homme corse qui menace directement en disant, on va vous faire la pompe. Oui, absolument. Si vous touchez à mon peuple... Donc, évidemment, là, on va... D'ailleurs, c'est très amusant, parce qu'il n'a pas du tout été médiatisé. Il a fait 2 millions de visionnages sur YouTube, et personne n'en a parlé. Extraordinaire. Alors effectivement, je pense que les Corses ont peur de l'islamisation de leur île. En Corse, fait comme les Corses, c'est toujours valable, ça? C'est l'adage. En Corse, fait comme les Corses. Ça fait quand même 2-3 années que je dis pas aller. C'est vrai que quand on se balade, si j'ai bien compris, dans les villages typiques, on trouve de plus en plus d'inscriptions comme Arabi Fora ou Salafisti Fora. Ça, c'est tout récent. Je crois qu'il se passe pas mal d'événements qui ne remontent pas forcément. Un jour, c'est un type en djellaba qui va insulter une femme au sein nu, etc. Mais le fait est qu'effectivement, ça peut donner des idées aux Français, je ne le souhaite pas. Non, mais sans aller jusque-là. Oui. En région parisienne, là, dans la banlieue où je m'occupe d'un monsieur en ce moment depuis plusieurs mois, le nombre de voitures corse est invraisemblablement élevé. Vous savez pourquoi? Parce que quand on se fait inscrire 2A ou 2B, on n'est pas ennuyé, la voiture n'est pas rayée. C'est tout. Mais Gilles Simeoni lui-même, qui est quand même élu de Corse, du conseil exécutif de Corse, a dit lui-même, si jamais il y a un attentat islamiste en Corse, on ne pourra rien maîtriser, les Corses, ce sera la guerre civile, a-t-il dit, ce que redoute évidemment Hollande plus que tout, et on ne pourra rien maîtriser. Je ne pense pas que la guerre civile, si on va vraiment jusque-là, le problème c'est cette intimidation mutuelle à une fin, c'est la fuite. C'est-à-dire qu'ils obtiendront ce qu'ils veulent, c'est la fuite de ce qu'ils ont fait eux-mêmes à nos colons d'Afrique. Les Corses ne croient pas en l'État français, les Corses ne croient pas en la police française, ils croient encore moins à la justice française. Ils régleront ça à coup de fusil comme ils ont fait depuis des siècles. D'un autre côté, il y a quand même une forme d'échec du FLNC parce qu'ils voulaient chasser les Français de Corse. Ouais. Bon, ils ont gardé les salafistes. Ouais. Hein. Alors, Charlotte Dornelas ou Nicolas Gauthier, celui qui veut prendre la parole. Charlotte. Il y a évidemment une... Enfin, je vais revenir un peu sur la question initiale. Il y a évidemment une différence de traitement qui est évidente de la part du gouvernement français en Corse et en France. Il n'y a qu'à comparer ce qui s'est passé en Corse, ne serait-ce qu'avec la réaction par rapport au guet-apens qui avait été fait par quelques maghrébins aux pompiers. Déjà là-bas, on a le droit de dire maghrébin. Là-bas, justement, il y a un relâchement sémantique incroyable. Là, je veux dire, j'ai l'impression d'être à Nanterre, en bidonville dans les années 60. Là. On parle plus de français, d'origine éventuellement étrangère, etc. Immigrée. Non, maintenant, c'est les maghrébins. Mais encore, eux disent les maghrébins. Sur le continent, on n'a pas le droit de dire. Tous les musulmans sont des islamistes. Tous les français de parents immigrés sont des maghrébins. Il a raison, c'est vrai que c'est un mot connoté, qui est très connoté FN, même à Perpignan. On va préciser. Non, mais avant le mot connoté, excusez-moi, c'est leur comportement qui est connoté. Rentre par les maghrébins, Dornelas parle de maghrébins, vous, calmez-vous. Vous avez le droit d'utiliser aussi. Notre invité a parlé de la richesse et de la variété et de la précision de la langue. Ils se discriminent toute la journée par leurs habits, par leur comportement, par leurs revendications, et c'est mes mots qui sont discriminants. Ça va au bout d'un moment, quoi. Vous prenez tout dans
Les Français corses d'origine du sud de l'Afrique subsaharienne. Bref. Non mais ça devient ridicule au bout d'un moment, quoi. Disons eux. Voilà. Bon. En tout cas, les Corses musulmans. Il y a eu une descente de Corses non musulmans chez les Corses musulmans après que des Corses musulmans aient fait un guet-apens aux pompiers à Ajaccio. Bah oui, ça devient compliqué, mais bon, c'est pas de ma faute. Hein. Et bref, déjà là, à ce moment-là, honnêtement, il n'y avait pas eu une réaction médiatico-politique comme il peut y avoir en France à chaque exaspération, colère ou en métropole. Comme on a pu le voir par ailleurs à Tremblay en France, c'est un autre sujet, j'ai pas envie de provoquer des hurlements là, mais... Et là, on l'a vu effectivement sur la plage, les Corses se défendent, alors qu'en France, il est interdit de se défendre parce que ça s'appelle de l'incitation à la haine. Jeter de l'huile sur le feu, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle en France. Alors, on jette de l'huile sur le feu. Une grande nouveauté, c'est le téléphone portable. Le téléphone portable et les moyens de vidéo sont à la fois un moyen d'agresser autrui, on le voit bien dans ce restaurant où deux filles sont allées porter la discorde avec leur téléphone pour montrer que le patron avait un comportement douteux, mais c'est valable en France. C'est valable dans l'autre sens. Et ça, c'est un élément qui est trop souvent négligé et dont la justice, je ne sais pas juridiquement si elle a le droit d'en tenir compte. Quoi ? La justice a le droit de tenir compte d'un témoignage vidéo. Les captations comme ça qui n'étaient pas révélées. Oui. Ça dépend des matières. Pas dans toutes les matières. Après, en droit pénal, la preuve est absolument et intégralement libre. Donc, de toute façon, les vidéos ont été révélées. Après, c'est toujours le même truc. Même si votre preuve que vous produisez, moi, souvent, c'est des tactiques, des stratégies. Dites-nous comment vous défendez les réfugiés. Comment on fait pour défendre un réfugié? Un petit truc d'avocat. Vous avez une preuve illégale. Vous avez une preuve que, vous savez, elle sera refusée par la partie adverse. La partie adverse dira non, cette preuve est irrecevable. Hop, on la met de côté. Mais au final, vous l'avez produite, et le juge, il l'a vu. Et le juge, il l'a vu, et il a vu que vous aviez raison, au fond. Donc peut-être qu'il va la mettre de côté, et il l'a déclarée irrecevable, mais au fond, il l'aura vu, donc vous l'aurez violé psychologiquement, et derrière, ça sera bon. Voilà, allez, violeur. Il vous manquait plus que ça. Charlotte, elle a fini, déjà, pour commencer. Non, mais juste sur la question des Corses, effectivement, ou simplement la volonté, c'est-à-dire que quand on voit Manuel Valls, après les attentats, qui veut traquer sur Twitter les incitations à la haine, ce qu'il appelle incitation à la haine, c'est parfois, et très maladroitement, je le reconnais, mais c'est une volonté de réponse, une volonté de se défendre, et alors parfois une volonté de vengeance, et c'est regrettable, mais une volonté de se défendre et déjà de l'incitation à la haine, une volonté de se défendre. Les Corses, ils se sont défendus, personne n'a parlé d'incitation à la haine, mais jamais de la vie, quoi. Pourquoi ? Parce que, d'abord, les politiques corses eux-mêmes les ont défendus, en disant, bah oui, mais il y a quand même eu une provocation, et je pense, moi, pour revenir sur ce que disait Philippe Randa, c'est que les Corses interviennent non pas parce... Bon, alors, je sais pas, c'est un peu une intuition de ma part, hein, je reconnais, non pas parce qu'ils avaient peur que la police ne fasse pas son travail. Je pense qu'en France, on appelle la police précisément parce qu'on n'a pas... c'est même pas une question de courage, c'est qu'on a peur d'intervenir parce que les conséquences médiatico-politiques sont énormes. Et que, voilà, y a la discrimination, pour le coup, elle est sur celui qui va se défendre ou réagir. Il nous reste une minute, il nous reste encore. Écoutez, Nicolas et Nicolas, c'est vous dire qu'en une minute, ça va être court. Non, mais Nicolas, on l'a entendu. Allez, Nicolas Gauthier. Nicolas Gauthier. Bon, par nature, déjà, les peuples ne sont pas xénophiles, ils sont généralement xénophobes. Et quand il s'agit d'Iliens, sans sombrer dans l'essentialisme, ils le sont encore plus. Les rapports entre la Corse et le continent sont complexes parce que les Corses n'ont jamais été soumis, ils ont été achetés à Gênes. Et les Corses ont toujours respecté la France comme c'était respectable. Aujourd'hui, la France ne l'est plus. Donc ils ne respectent pas. Et quand l'État n'est pas respecté, il y a toutes les dérives effectivement, qu'on voit. Et ça peut être effectivement, vous admirez les graffitis anti-arabes, avant c'était français dehors. Donc, j'ai pas dit qu'ils admiraient. J'ai dit qu'ils étaient un symptôme. Ce qui se passe là-bas actuellement. Et après, si la communauté maghrébine donc de Corse, généralement issue du Maroc, qui n'a pas eu la vie facile là-bas pendant des années, mais si aujourd'hui elle l'a moins, ce n'est pas pour des raisons de chrétienté ou de sursaut patriote, c'est aussi parce que les gangs de maghrébins commencent depuis quelque temps à prendre le trafic de chic traditionnellement est tenu par les... Mais moi, je m'en fous de ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils s'en chargent. C'est qu'ils s'en chargent. Voilà, le reste, je m'en fous. Non, mais vous parlez... Non, mais là, c'est oui. Ce côté Charles Bronson, c'est un... C'est bien moi. Mais j'essaie juste d'élever le débat, mais si vous voulez, oui. Et là,
vous allez voir un avocat qui est capable de défendre son sujet en moins de 15 secondes. Alors très rapidement, juste revoyez le film Dipan de Jacques Audiard, bon qui film. Parle vraiment de ça, qui est un film très profondément bon film. Réactionnaire. Très bon film. Que ça n'a pas du tout été vu à Cannes, c'est un film réactionnaire, mais il est profondément réactionnaire, mais ça vous plaira. Si je suis sûr que Dipan vous plaira, il est quand même la palme. Oui, mais c'était mon premier point. La réaction, c'est la vie. C'est, moi, franchement, je connais très très mal la Corse. Après, j'ai toujours été intéressé par les nationalismes de colonisés. On peut faire vraiment la différence entre ce qui est le nationalisme dominant, le nationalisme français, le nationalisme de dominant, et le nationalisme de colonisé. Moi, j'ai vécu pendant 2 ans dans un pays colonisé qui s'appelle la Finlande, qui a été dominé pendant des siècles par la Suède, puis pendant 2 siècles par la Russie, et qui sera, on fêtera l'année prochaine les 100 ans de l'indépendance de la Finlande. Donc, j'ai vécu dans ce pays. Ça devait être court, là-bas. La Finlande, non, mais attends, la Finlande, c'est vraiment un peuple opprimé. Qui a souffert, qui a été blessé, c'est un peuple humilié. Non, le peuple finlandais est un peuple humilié. Et j'ai ressenti, parce que je pense à la Corse, et à son statut de dominé, à la fois je rejette la France. Mais bon, la France n'assure pas, les élus locaux, les Zuccarelli et toute la clique, franchement, pardon quoi. Toujours est-il que j'ai vu chez ce peuple humilié un nationalisme et une xénophobie fervente. Avec. Non, mais c'est vrai! C'est vrai! Dire, quand on est avec la bourgeoisie intellectuelle en centre-ville d'Helsinki, on est bien! Mais moi, quand j'étais en banlieue, un pauvre travailleur immigré rédigeant sa thèse, avec ma femme, mes enfants, mais j'ai été discriminé, j'ai été rejeté. Mes seuls amis sur les playgrounds où on allait jouer avec les enfants, c'était des Irakiens, des Somaliens, des Jordaniens. On va faire court, on va faire court. Mais on va faire court. Je sais ce que c'est qu'être un Maghrébin. Je sais ce que c'est qu'être un Maghrébin martial. Voilà, je vais le dire. J'ai été un immigré et j'ai détesté la Finlande. J'ai haï la Finlande, j'ai refusé d'apprendre leur langue. Je les ai vomis. Et vous avez pris la nationalité du coup ? Et je suis parti parce que j'en pouvais plus. Vous avez pris la nationalité du coup ? Je suis revenu dans mon pays, la France. La Finlande ne t'a pas retenu. Voilà, c'est ça. Très bonne démonstration finale. Vous êtes revenu dans votre pays. Et en plus, stop. Vous avez été compris car il y a beaucoup de Français qui vivent dans la banlieue et qui eux aussi sont discriminés chez eux. La Corse, c'est pas bon, c'est pas le bon endroit pour se radicaliser. Ça, ça a l'air clair. La Corse tient à son identité, et face à la menace islamiste, eh ben, la Corse inspire, voilà la France, aux couleurs de la Corse. À tout de suite. Madré. Retour sur le plateau de Bistro Liberté, où l'ambiance ne cesse de monter. Hillary Clinton, présidente. Stop. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Le pire est-il inévitable, finalement? Donald Trump est enterré par l'ensemble de la presse française. Les sondages sont unanimes. Il pronostique la victoire d'Hillary Clinton dans à peine 70 jours, même si le taux d'impopularité d'Hillary Clinton rejoint aujourd'hui, depuis quelques jours, celui de Donald Trump. Êtes-vous satisfait d'Hillary Clinton? Réponse 59% non pour Hillary Clinton. Et êtes-vous satisfait de Donald Trump? 60%. Hillary Clinton est aux portes de la Maison-Blanche. Alors, on l'a dit méprisante, on l'a dit belliciste, on l'a dit engluée dans les affaires, on l'a dit aussi quelquefois malade. On la sait. Clinton à la Maison-Blanche, la question, est-ce bon pour les Américains? Et puis, subsidiairement, est-ce que c'est bon pour la France et les Européens? Qui veut s'y coller? Question qu'on va, c'est ce que vous avez à me dire. Il y a une chose, parce que personne ne le dira comme d'habitude, c'est quand même un népotisme familial absolument scandaleux, ces Américains qui... Vous voulez dire comme Le Pen? Non mais... Comme la famille Le Pen? Non mais attends, c'est quand même... Comme la famille non, Le Pen non, mais ça prouve bien... Pardon. Non, ça prouve bien. Attention, il s'agit là d'exercer le pouvoir et de l'exercer... On fait corps avec les institutions et comme si les secrets étaient tellement durs à défendre, tellement durs à transmettre, on le fait de père en fils désormais. Je pense que la petite, comment s'appelle-t-elle? Chelsea Clinton va être la prochaine. Non, mais on rêve. Non, on se fout de nous. Enfin, on se fout d'eux, parce que ça nous... Alors, le problème aussi, c'est que ça nous concerne, nous aussi, parce que je me permets de vous signaler que TF1 en fait quasiment la moitié de son journal. E-Télévision campe littéralement à Washington. Donc, en fait, la politique intérieure américaine devient la nôtre. Bah, nous, on n'a pas les moyens d'y aller, donc comme ça, au moins, on est rassurés. Voilà. Nicolas. Non, quelques mots. Allez. Quelques mots sur... Je me sens très clintonien. Pas tant que ça, hein, parce que... Enfin, j'aimais bien William Jefferson Clint. Mais
Ce que je veux juste te dire, non, j'aimais bien Bill, j'aimais bien son côté grand dadais, j'aimerais bien, je le reconnaissais peut-être un c'est peu. C'est Bill, hein, pas Bill, hein, je précise. Non, non, Bill. Mais non, ce que je veux juste te dire sur là, bon, mon gars sûr, il s'appelait Bernie Sanders, il n'a pas été qualifié malheureusement. Comme il arrive, toujours, vous êtes toujours dans le camp des perdants. C'est un choix, ouais. Non, mais ça fait non, mais c'est peut-être, une fois qu'on c'est, le sait. C'est peut-être une posture psychologique, c'est une forme de névrose aussi. Peut-être. Je veux dire, moi j'ai une tendresse naturelle pour les freaks, les parias, les ceux qui échouent. C'est pour ça que tu viens ici. C'est pour ça que je suis ici. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez, depuis adolescent, j'ai une passion pour cette photographe américaine qui s'appelle Diane Arbus, qui a essentiellement photographié des freaks. Donc, il y a un peu d'intimité aux monstres. D'accord. Alors, parlons de monstres. Allez voir Diane Arbus, c'est absolument fascinant ce qu'elle fait. Je veux dire, voilà, le freak sort de l'anatomie et du cirque pour devenir un objet du quotidien. Allez. Bon, un monstre. Sujet du quotidien. Il arrive. Non, mais médecin, il en pense quoi, c'est un choix par défaut. Attends, c'est un choix par défaut, évidemment. Évidemment qu'elle est nulle, évidemment qu'elle est détestable. Enfin bon. Après, je pense que pour les Américains, parce que je suis allé voir les sites de campagne de Clinton et de Obama, non, de l'autre là, Donald. The Donald. Et franchement, le programme de The Donald, il est vraiment sale. D'ailleurs, vous qui êtes plutôt sur une ligne assez socialisante, finalement, vous incarnez. Ne stigmatisez pas. Vous savez, un avocat, vous qui ne me un avocat doit pas. Ni stigmatiser ni globaliser. Vous le savez, voilà. Très important. Oui, oui, non, mais je ne globalisez pas. On est obligé. Oui, mais on ne fait que des généralisations, des distorsions. Alors, allez, on continue. Pardon pour moi. Un truc. Crache le terre. Vous qui n'êtes pas particulièrement ultra libéraux. Vous qui n'êtes pas particulièrement ultra libéraux en économie. Vous, dans l'ensemble, je vais écouter parler. Enfin, bon, alors, allez-y, Nicolas. Il m'a pas semblé que vous étiez tous ultra libéraux en économie. Juste, vous regardez le programme de Trump, mais il est presque libertarien sur le plan économique. C'est-à-dire, c'est dérégulation totale, l'Obamacare, non, on va plus faire de sécu, tout va être sur des trucs privés, etc. Comme avant. On s'en fout. Tous les traités internationaux, les engagements des États-Unis, notamment par rapport à la réduction des gaz à effet de serre, sur le plan environnemental, le rôle de l'agence... D'accord, Clinton, non, Clinton, on s'en fout de Trump, on l'a parlé intérieure, de Trump déjà. En politique intérieure, je pense que Hillary Clinton est incomparablement supérieur à Donald Trump. Ça ne vous surprend pas que je dise ça? Non, mais on poursuit. D'accord, on ne répondait pas à la provocation. Voilà. Alors, ensuite, bon, le mec sur est le plan libéral, extérieur. Sur le plan extérieur, alors ce mec est complètement farfelu, manque de toute crédibilité sur le on plan parle de la politique Clinton. Internationale. Non, on parle de Donald Trump. Ouais. Le mec est complètement farfelu, fou furieux. Bon, OK. Après, le mec a un certain talent. C'est-à-dire, être un bon populiste, c'est une forme de talent aussi. La revendication charismatique, enfin Max Weber, tout ça, la revendication charismatique, c'est je le revendique, mais je suis reconnu aussi. Et le mec est reconnu. Dire que le gars, il a gagné la primaire, franchement, je ne m'y attendais pas, c'était une surprise, la primaire républicaine. Après, c'est pas parce que les États-Unis ont fait n'importe quoi ces dernières années, c'est pas parce que leur interventionnisme a été calamiteux, que le retrait total, le retour à une doctrine Monroe sur le plan international est une bonne chose par essence. Alors, c'est pas genre, il faut absolument qu'ils soient isolationnistes. Stop. C'est formidable s'ils arrêtent de s'occuper des États-Unis. Non. Voilà, entre fascination et répulsion, on a bien compris. Bon, alors déjà, malgré tout ce qui m'oppose à l'ami Gardner, moi aussi je pensais que dans les primaires américaines, Bernie Sanders est effectivement le candidat le plus plausible. Après, Hillary Clinton puisse être empêchée, même avant terme, c'est possible. Qu'elle soit plus ou moins calamiteuse. Empêchée avant terme, ça veut dire quoi ça? Avant d'arriver où? Pour des questions de santé. Et pour toutes les affaires qu'elle traîne. Après, Trump est ce qu'il est, et même le personnage n'a pas un immense intérêt, il a eu un talent populiste, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le phénomène Trump, qui montre qu'aux États-Unis, comme en France, le peuple, avec tous les guillemets que ça présuppose, est lassé de ses élites et n'a plus confiance. Alors, Hillary Clinton, vous avez raison, c'est une dynastie, comme il y a les Kennedy, comme il y a les Bush. Hein, les républiques peuvent être assez monarchiques aussi à leur manière. Bah, les Le Pen, ils n'ont pas été beaucoup au pouvoir. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde, la famille Le Pen. Ils n'ont jamais été au pouvoir. Mais celui de Trump ne vient pas, c'est pas un bouseux de l'Arkansas. Il vient aussi d'une grande famille. Il n'est pas n'importe qui. Mais c'est pour ça que le phénomène est beaucoup plus intéressant que le personnage. Après, sur la politique étrangère, je pense que Trump serait moins calamiteux que Clinton. Mais après, ça reste un match nul dans un tunnel. Et le plus important, c'est que soit l'un ou l'autre, ce qui compte beaucoup plus aux États-Unis, mais comme en France, ce qu'on appelle le deep state ou l'état profond, c'est que
la Maison Blanche, la NSA, les services secrets et lobby militaro-industriel continueront de fonctionner comme ils fonctionnent depuis des décennies, que ce soit Trump ou Clinton. Et la vérité, elle est là. Charlotte Dornelas, Jules Prenda, Caroline. Ils se sont toujours gourés, en tout cas les élites et les médias, depuis le début. Ils ont complètement sous-estimé Trump. Ils peuvent encore se tromper. Ils ne l'ont pas vu venir du tout. Ils l'ont raillé, ils l'ont moqué. Toujours est-il que ce qu'ils n'ont pas vu non plus depuis leur tour d'ivoire, c'est que la droite, enfin l'électorat de droite populaire américaine a été humilié pendant les 8 ans de politique, s'est senti humilié pendant les 8 ans de politique d'Obama. Et s'est senti trahi pendant les 8 ans de politique d'Obama. C'est un échec. C'est bon, mais c'est un échec. Échec, tout le monde le sait, il n'a jamais réussi. Oui. Il n'a pas réussi, donc ne demandez pas Obama. Je crois qu'il y a un phénomène en effet très anti-système actuellement chez les Américains, très anti-régime, et pour eux, Trump incarne l'anti-régime et l'anti-système, ça c'est certain. J'ajoute qu'il a une nouvelle directrice de campagne, donc Conway, Kayleen Conway, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, parce que paraît-il, elle est en train de le dédiaboliser, tiens, elle est en train de lui apprendre déjà à lire, enfin c'est à prononcer son nom. À lire. Merci. Un prompteur et non pas à procéder par là, il a perdu pour de improvisation et par règlement de compte à chaque fois. Donc le but, c'est effectivement de recibler sa campagne, j'ai bien compris, de façon à ce que l'objectif, ce soit de ne plus flatter sa base militante, mais d'élargir son électorat et puis également de cibler l'adversaire de façon beaucoup plus précise. Voilà, ils sont à l'œuvre pour ça. Ça ne pourra pas être pire de toute façon qu'Hillary Clinton. Ça ne pourra pas être pire. Mais ça ne sera pas mieux qu'Obama, qui était un des plus grands présidents américains de ces dernières années. Le pire. Non, mais je pense que c'est le défend Obama, c'est mon droit. Là. Oui, on ne vous attendait pas là. Et effectivement, la droite populaire a une envie de revanche. Et la revanche, pour eux, c'est Trump. Enfin, c'est la droite populaire américaine, c'est Sarah Palin, c'est l'encéphalogramme plat. Oui. C'est vraiment, c'est les abrutis complets. Oui. Nicolas Gauthier. Ils existent. Nicolas Gauthier. Bah, mais malheureusement, Nicolas Gauthier. Nicolas Gauthier. Vous donnez la parole. Vous donnez la parole aux autres. Puis je vous rappellerai, parce que vous êtes aussi jeune que moi, qu'on avait vu toute la campagne de Reagan. Il était un idiot. Il était de droite, absolument. Il était total, il serait jamais dirigé. Il est considéré comme le meilleur et le plus grand président des États-Unis, moralité. Quand on est à droite, c'est pas facile de revendiquer qu'on est intelligent, sauf Christian Combaz qui arrive tout à fait à le prouver. Allez, Charlotte Dornelas ou Philippe Randa. Eh bien, votre question martiale, c'est de dire si Hillary Clinton est la pire. Ça, je ne sais pas, mais moi, ce que je vois... C'est ce qui est une chose qui est bien pire que tout ça, c'est que la première puissance au monde qui a élevé la dignité, qui est anti-mensonge, qui parle de moralité pour un oui ou pour un non, nous offre un spectacle pendant cette campagne électorale où c'est même pas tous les coups sont permis, c'est toutes les saloperies, toutes les choses qui ne pourraient même pas être imaginables dans notre pays, en France, se font. Un exemple, Trump passe son temps à rappeler l'histoire de Bill Clinton avec Monica Lewinsky. Ça fait tâche. Ça fait tâche, effectivement. Ça fait tâche. Quel talent, mais quel génie. Quel génie d'un applaudisseur. Brillant. Merci. Bravo. C'est les grosses têtes. C'est Bouvard. Je suis grossi d'ailleurs comme Bouvard à force de bouffer les macarons. Si je puis me permettre de caser un rappel historique quand même, n'oubliez pas que Clinton, les éditorialistes, nos équivalents, donc, ont débattu à la télévision américaine à l'époque du scandale Clinton sur le fait de savoir si oui ou non une fellation était un rapport. Puisqu'il, dans un cas, il avait menti, et si c'en était pas un, il n'avait pas menti. Je ne sais pas si vous imaginez le reste de la planète regardant le débat sur CNN à propos de savoir si Clinton avait eu un vrai rapport ou un faux rapport. On s'est absolument discrédité pendant plusieurs mois à cause de ces salopards, parce que, en fait, c'est le camp occidental. Clinton, à l'époque, c'était l'image de la France aussi. Donc, ils nous ont traînés dans la boue devant, par exemple, le monde arabe, avec ses arguties imbéciles sur CNN. Il faut quand même aussi leur reprocher ça. Voilà. Et donc, absolument. Je termine parce que pour Terminé. Rappeler cette histoire là, mais dans la campagne maintenant, on voit des statues et pas qu'une, plusieurs statues de Donald Trump tout nu dans les rues. Aujourd'hui, on vient de reprocher au conseiller, je sais plus lequel, je crois que ça doit être un des conseillers de Trump, que son premier divorce, il aurait menacé sa femme après des violences conjugales. Mais ça date de 25 ans plus tôt. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ils s'entendent très bien.
rien, il n'y a jamais eu de plainte. Voilà donc le niveau électoral de la première puissance mondiale. Oui, ça n'a rien changé. Il lui appelle au meurtre d'Hillary. Philippe Randa, c'est vrai, voilà, c'est formidable. Regardez, c'est la voix de son maître. Mais Le Monde a titré cet été que Donald Trump voulait assassiner Hillary Clinton. Parce qu'il a demandé BFM, à faire payer BFM à Hillary mercredi Clinton. A dit que dans la psychopathie, Donald Trump était proche d'Hitler. D'après la rumeur. Oui, il l'a dit. D'après la rumeur, le nombre de morts suspectes autour des Clinton parle aussi. Et dernière chose, je vous donne un exemple. Pour le Figaro, ça vous fera plaisir. Le Figaro a préféré cet été titrer à la une et faire après un article pour expliquer les cinq raisons qui permettent de dire que Obama est le plus grand président des États-Unis. Oui. Il a fallu d'ailleurs que Yves de Kerdrel intervienne dans les pages opinion pour quand même évoquer rapidement le contraire. C'est dire que la presse française n'est pas totalement pour Donald Trump, si ça ne vous avait pas échappé. Charlotte Dornelas, vous n'avez pas parlé, ça ne m'a pas échappé non plus. Oui, en fait, vous allez pouvoir parler après. Oui, peut-être, on peut le formuler différemment. Elle n'est pas totalement pour Donald Trump. Pas totalement. Mais elle est quand même très pour Hillary Clinton. Très pour, très pour. Dont le général, lors du discours démocrate, lors des primaires, là, un général qui intervenait juste avant, expliquait qu'il fallait faire la guerre directement à la Russie. C'est quand même l'évocation du Troisième Guerre mondiale. Mais c'est sympa, c'est pas belliciste. Allez, on poursuit, mais là, j'interviens un petit peu trop. On va encore dire, c'est un animateur, c'est pas un sociétaire. Charlotte. Non, mais pour rebondir sur Obama, effectivement, Obama est un des présidents qui a tué le plus de citoyens américains à l'étranger sans aucune raison, et on le sait, c'est tout à fait factuel, avec ses drones notamment. C'est pour ça qu'il est le prix Nobel de la paix, hein, c'est à les comprendre. Sur la question entre Trump et Hillary Clinton, bon déjà je ne suis pas américaine, donc sur la politique intérieure, je vois et je constate les désastres de la politique de Barack Obama, notamment par rapport à l'Obamacare, qui est avant tout bien plus qu'une défense sociale, c'est avant tout évidemment un projet idéologique, parce que c'est que là-dessus que ça a été respecté. Il y a également la question de l'immigration qui a été, et c'est d'ailleurs ce qui a propulsé Trump, c'est qu'il s'est opposé à ses maîtres républicains qui avaient fait toute leur campagne, entre guillemets, contre Obama sur cette question du décret présidentiel qui promettait de naturaliser 5 millions d'immigrés clandestins aux États-Unis. Barack Obama boude le Congrès et dit « je fais par décret présidentiel, je naturalise ces 5 millions de personnes ». Les républicains s'opposent et finalement les républicains majoritaires au Congrès interviennent pour dire eh ben, finalement on ne va pas voter le stop au budget de l'institution qui pourrait empêcher la naturalisation de ces personnes. Trump intervient en disant que l'immigration est un problème aussi aux États-Unis et c'est évidemment là-dessus que se fait la campagne. C'est en ça que c'est intéressant. C'est qu'on peut discuter pendant des heures et des heures de la politique intérieure des États-Unis selon Hillary Clinton, selon Donald Trump. Il se trouve que même aux États-Unis, pourtant pays assez récent, la campagne se fait finalement sur des questions très mondialistes ou anti-mondialistes. Oui, mais excuse-moi, cher Martial, je vais juste dire un mot. On va finir. Oui, là, vous vous égarez, parce que quand Trump parle d'immigration aux États-Unis, il vise les Noirs. Ils ne sont pas des immigrés, ils n'ont pas demandé à venir. Et quand d'autres, les Mexicains, ce sont des nationalités mexicaines, ils sont des Indiens. Donc ils étaient là avant tout le monde. Donc ça devrait vous ravir, grâce à l'immigration mexicaine, cette reconquista à l'envers, le catholicisme est en train de devenir la première religion aux États-Unis. Donc ceux qui ont le plus de droit à vivre aux États-Unis, c'est avant tout les Mexicains qui ne font que récupérer ce qui leur a été volé. Hein, Fort Alamo, Los Angeles, c'est pas un prénom, c'est pas Wasp. Hein. Or que l'Amérique blanche Wasp disparaisse, oui, c'est probable, mais je porterai pas le deuil. Hein. Il me semble avoir commencé en disant que je n'avais pas d'avis et que j'expliquais pourquoi Trump avait réussi à gagner la primaire républicaine. Donc, je n'ai pas donné mon avis jusqu'à maintenant. Je vais le donner à partir de maintenant sur la politique étrangère, puisque c'est le seul sujet sur lequel je suis légitime à le donner. Il se trouve qu'entre Hillary Clinton, qui promet une intervention dans à peu près tous les pays du monde, hein, si on l'écoute, et Donald Trump qui dit, alors effectivement, peut-être que l'isolationnisme, peut-être que finalement les colonies, c'était pas si mal, hein, parce que c'est ce que j'entends dans le discours de Nicolas Gardet, on a quand même des trucs à apprendre aux sauvages là-bas au Proche-Orient. Il se trouve que... vous faites pareil avec moi, donc justice est rendue. Il se trouve que, pour parler de sujets que je connais un tout petit peu, à savoir la Syrie, l'Irak, tout ça, les États-Unis ont fait un mal absolu dans ces pays-là. Ils ont
déclenché la guerre, prolongé la guerre, nourri la guerre. Ils ont tué donc des centaines de milliers de gens dans ces pays-là. Mais effectivement, quand je vois Le Monde, Libération, alors qu'ils nous gavent toute la journée de l'opprimé, l'étranger, l'autre avec un grand A, alors qu'on aille les tuer chez eux, tout le monde s'en fout, quoi. Parce que c'est ce que promet Hillary Clinton, c'est d'aller tous les tuer chez eux pour leur... On va leur apprendre la démocratie à coups de bombe, hein. On sait bien, ils le font depuis des années. Hillary Clinton promet de continuer. En revanche, ensuite, évidemment, la guerre provoquant des flux migratoires énormes, ils vont arriver chez nous, et là, Libération pourra dire, bah oui, mais maintenant, maintenant, on entre en jeu, quoi. Maintenant, ils sont... Le seul moyen pour eux de s'en sortir, c'est qu'ils deviennent français. Et... Je voudrais ajouter que celui qui a fait la guerre là-bas, le premier, c'est Bush qui était un isolationniste, Bush Junior. Mais, ouais, enfin, c'était son programme, il s'est fait élire dessus. Ah, merci c'est pour vrai. Ce rappel. Non, mais c'est vrai, c'est merci parfaitement pour vrai. Ce rappel. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, entre, c'est toujours un peu, de toute façon, à partir du moment où on est appelé à voter, on est obligé de choisir sur des promesses. Hein, et il se trouve que tout le monde les trahit, ça, on est bien d'accord là-dessus. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, entre quelqu'un qui promet d'envahir tous les pays du monde et quelqu'un qui dit maintenant on va arrêter avec ces trucs-là, okay. Eh ben, il vaut mieux choisir celui qui dit d'arrêter, au moins on pourra lui demander des comptes. Sauf si on un dernier mot, mais, très dernier mot. Non, il ne faut pas surestimer Hillary Clinton, qui est l'ombre d'elle-même, qui est malade. Là, je vous invite à regarder sur Internet le rapport médical qui traîne et qui semble absolument irréfutable. Si on prend le risque de la pousser jusqu'à la présidence, c'est bien que la présidence américaine n'a aucune importance. C'est-à-dire qu'on pourrait élire un pingouin à sa place. Kennedy était malade, il était président. Hein. Donc voilà, exactement. Donc c'est un peu triste de voir que la machine américaine s'auto-gouverne et que peu importe le pantin. C'est l'état profond. Voilà. Allez, le nouvel ordre mondial, c'est la liberté. Voilà, avec une image parlante et puis un bruit. Donald Trump, tu es sûr qu'il est mort et enterré? Non, il parle encore. Merci, à tout de suite. On se retrouve sur la primaire. À gauche, est-ce que tu peux faire ? Et retour pour la dernière partie de ce Bistro Liberté en compagnie de Christian Combaz et avec ce thème, la gauche et le bal des primaires. Les primaires, c'est-à-dire les élections. Preuve de la faiblesse du président de la République ou de la déliquescence totale du Parti Socialiste, les candidats à la primaire socialiste se multiplient, le Capharnaüm s'installe encore un peu plus, d'autant plus qu'Emmanuel Macron a quitté le radeau de la Méduse, le gauche et le bal des primaires. Qui souhaite en parler ? Christian Combaz, vous qui êtes de gauche. Je voudrais simplement lancer une comparaison qui m'est chère et que j'ai souvent mise dans mes articles et qui est celle de la gravité. La loi de la gravité, c'est que vous avez des corps célestes qui sont d'abord des nuages de gaz qui s'agrègent peu à peu et qui deviennent des planètes. Et puis ces planètes s'agrègent encore plus, deviennent de plus en plus denses, et elles en attirent d'autres dans leur orbite. Et c'est à quoi c'est le petit jeu auquel se livrent en général les hommes politiques dans leur carrière. Sauf que ce que vous voyez en ce moment, à gauche comme à droite hélas, c'est qu'ils restent pour la plupart des nuages de gaz. Rien ne s'agrège, la densité, ils ne l'obtiennent que très tardivement. Prenez quelqu'un comme Mariton par exemple, il n'est pas d'une densité folle, quoi. Prenons quelqu'un d'encore pire. Prenons par exemple Benoît Hamon, c'est un nuage. Comment peut-il attirer qui que ce soit par la loi de la gravité qui fait que les corps célestes tournent autour de lui? Personne ne tourne autour de lui. Voilà, c'est mon idée de la primaire en fait. Voilà. Belle image en tout cas, belle image, très belle image. Allez Nicolas, vous qui êtes de droite. Moi qui suis de gauche, mon bon Martial, moi qui suis de gauche. Mais pas socialiste. Pas socialiste, profondément écologiste et libertaire, forever. Non, je déteste le Parti Socialiste, c'est vraiment, je crois qu'à part le Front National, il n'y a rien que je déteste plus sur Terre que le Parti Socialiste. Mais moi si vous voulez, c'est le primaire. Mais tout ça m'ennuie profondément, mon bon Martial, parce que plus je connais la politique, la classe politique, les hommes et les femmes politiques, plus je les vomis, j'aime en fait. Chien. Plus j'aime mon chien, comme disait Pierre Desproges. Non, je veux dire, c'est un super... Non, mais j'aime le chien de Caroline. C'est vrai. Parce que Caroline a un labrador depuis peu. Un bébé labrador de 2 mois qui est arrivé hier. Formidable. Oui, ça c'est bien. Non, mais ce que je veux dire... Non, mais c'est insupportable. Ces gens-là sont dégueulasses. Nous, les écologistes, nous militons pour le non-cumul des mandats dans le temps.
C'est-à-dire que le concept même de classe politique, qui est complètement caricatural même en France, je pense qu'il n'y a aucun pays dans le monde où le concept même de classe politique existe plus, où les gens font de la politique de 25 ans en sortant de Sciences Po jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'à leur mort, jusqu'à leur linceul, c'est insupportable. C'est-à-dire que ces gens moi, ce qui me... Vous allez bien être avocat jusqu'à votre mort aussi. Non, mais moi, vous pensez honnêtement que Manuel Fils va tenir une ferme auberge l'année prochaine? Justement, je sais bien qu'il ne tiendra pas une ferme auberge l'année prochaine. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire... Oui, d'ailleurs, dans l'auberge, le mari... Moi, je dis rien. La Roselyne Bachelot. Mais je dis rien. J'ai de la tendresse pour Roselyne Bachelot. Quel rapport avec... Non pas pour des questions... Justement, je vais vous le dire. Non pas pour des questions politiques particulièrement, mais parce que... Après le chien de Caroline, Roselyne Bachelot... Parce que la Roselyne, elle a une carrière avant de faire de la politique. Elle a fait de la politique et là maintenant elle fait autre chose. Elle remplace Brigitte. Le problème, non mais peu importe. Très mal. Ce que je veux juste dire, remplace Brigitte. C'est que elle remplace Brigitte Allais. Elle remplace Brigitte Lahaye. On se dit qu'on voudrait revenir au crypté. Au crypté sur Canal Plus. Non, ce que je veux juste dire, c'est que ceux pour les fréquenter, ceux qui réussissent en politique ne sont pas les gens les plus brillants ou les plus dévoués à l'intérêt général. Ceux qui réussissent en politique sont les gens les plus violents et les plus inhumains. Et c'est pareil d'Europe Écologie Les Verts jusqu'au Front National. C'est exactement pareil et vous le savez très bien. Et vous le savez très bien, Martial Bill, vous qui avez été au cœur de ce système-là. Donc, cette classe politique est dégueulasse. Mais attends, mais Sarkozy... Je préférais quand j'étais avec mon bâton. Mais Sarkozy, avec votre petit bâton, Martial. Mais non, Sarkozy... Pas si petit. Sarkozy, quelle horreur. Non, mais stop, là. Non, mais ce mec... Non, mais imaginez bon, que ce garçon... Stop, il faut que vous... Allez, Nicolas, le bloc des primaires. Les primaires de gauche, vous y intéressez pas. On a bien compris. Je m'y intéresse peu. Vous je voterai vraisemblablement Mélenchon. Mon candidat. Non mais moi, juste un point, je finis. Je soutenais pour la campagne des primaires écologistes, je soutenais Thierry Schaffhauser, qui est donc mon client, puisque je suis l'avocat du STRAS, le syndicat du travail sexuel. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et malheureusement, Thierry s'est retiré. Thierry s'est retiré, donc je voterai pas à la primaire. Très bien. Un communiqué et il restera. Allez, Nicolas Gauthier, allez, ne répondez pas aux provocations. Vous savez. Non, mais cela dit, le système des primaires me semble déjà ubuesque en France. Il y a quand même la Constitution de la 3ème République, c'est une république monarchique. Et le simple fait de faire des primaires, c'est encore un gadget d'importation idéologique américain. Et quand il y avait des partis dignes de ce nom avec des vrais chefs, on n'a jamais vu Mitterrand faire des primaires. Non, mais des vrais chefs. Je me permets de réintroduire mon idée de la densité. C'est venu du fait que les gens n'ont plus de densité personnelle. Mais, ils n'ont plus d'histoire personnelle. Mais Mitterrand avait la densité, Chirac en avait, Marine Le Pen en a, et le seul qui à gauche sauve l'honneur, et ça je suis d'accord avec vous cher ami, celui qui refuse les primaires, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui lui a une vision assez gaullienne. Emmanuel Macron refuse les primaires également. Macron, c'est même plus un nuage, c'est une capote trouée. Alors, qui veut continuer? Charlotte Dornelas, vous parliez d'Emmanuel Macron. Non, mais moi, je suis contente qu'il veuille voter Mélenchon, parce que s'il y a bien un homme politique qui a eu un discours intelligent sur la Syrie, je reviens un petit peu à mes obsessions, mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui, par ailleurs, a des idées inidéologiques et dramatiques. Ils ont été rares. C'est un populiste de gauche. Ils ont été rares et courageux à avoir un discours un peu alternatif. Ils ont été peu nombreux. Après, pour revenir sur les primaires de gauche, je crois que Emmanuel Macron, précisément, en démissionnant du gouvernement, vient de tuer l'idée même d'une primaire à gauche, parce qu'il vient de tuer l'appareil qui aurait pu installer légitimement François Hollande pour la présidentielle. Donc s'il y va, il ira probablement, c'est par la force des choses. Et ce qui ne veut pas dire qu'il est terminé. Hein. Je crois assez peu au fait que François Hollande ait terminé sa carrière politique. Mais si on parle des primaires de gauche et d'un peu du spectacle assez affligeant des primaires de gauche, on est bien obligé de parler aussi des primaires de la droite et du centre et du même spectacle qui nous renvoie de l'autre côté. Et on a un peu envie de leur dire « faites une primaire tous ensemble », ce qui s'appelait autrefois en fait l'élection présidentielle. Oui. Et on gagnerait... Bravo. Très joli. Et on gagnerait tous du temps. Et je pense qu'en fait, le problème de ces primaires, c'est que on le sent. En fait, c'est là où on sent qu'on est trompé. C'est que toutes ces primaires se jouent à la fois sur
on se tacle les uns les autres et donc on a des différences et en même temps on se tacle suffisamment gentiment pour s'assurer un poste de ministre envers celui qui gagnera. Et il y a quelque chose d'extrêmement malsain, on a l'impression d'être pris pour des idiots. Alors bon, on a l'impression de toute façon d'être pris pour des idiots, mais là encore plus et c'est assez désagréable. Je me permets de vous renvoyer à un papier que je viens de publier dans Atlantico, donc que je ne vais pas paraphraser. Sur le site Atlantico. Et qui raconte une hypothèse qui ne me paraît pas sotte, et donc c'est un peu une prophétie, on en reparle dans quelques mois. Je pense que Hollande ne finira pas, il va s'en aller 2 mois avant l'échéance en disant « la tâche me devient impossible à cause des menées de l'extrême droite ». Et à ce moment-là, il gagne le pari apparemment perdu de l'échec personnel. C'est-à-dire que c'est un narcissique, un pervers narcissique, à mon avis, qui ne peut pas avoir tort. Il faut absolument qu'il rhabille son échec en quelque chose. S'il se victimise lui-même à la fin de son mandat en disant « je m'en vais parce que ça devient impossible », et alors évidemment c'est très mis en scène en ce moment même, d'ailleurs par Marisol Touraine et par Valls, qui disent que les menées d'extrême droite deviennent odieuses, etc., que le discours se radicalise, il va peut-être nous faire le coup au mois de février du « je m'en vais parce que… » Donc il se prend pour Allende. C'est mon thème dans Atlantico. Il y a quelque chose en lui qui reprend un vieux schéma. Et voilà. Et donc à ce moment-là, c'est un coup de maître quand même parce qu'il arrive à se faire passer pour une sorte de résistant, même s'il subira pas le sort d'Allende. Et donc à ce moment-là, il arrive à l'élection avec une sorte de pouvoir, de prestige résiduel. Ouais, votre prophétie, elle commençait bien. Elle se termine juste bien. Non, Philippe Panda. Non, Philippe Panda. Juste Caroline Parmentier. Non, Nicolas. Comparé à Marine Le Pen, Pinochet a l'air brillant. Vas-y, je peux continuer. Alors déjà, l'idée que l'élection présidentielle c'est la rencontre d'un homme et des Français, elle est bien loin. Avec les primaires, elle n'existe même plus. Là, c'est la rencontre avec une succession de magouilles, de politiques réalités, un peu comme il y a des télé-réalités, de shows permanents chaque jour, avec, à droite comme à gauche, des préélections. Nous sommes en système électoral permanent. Quant à François Hollande, je vais la faire court, puisque je crois que le temps nous manque, François Hollande, aujourd'hui, tout le monde le donne perdant, mais il faut se méfier du phénomène des phénix. Les gens adorent les gens qui sont morts et qui renaissent. Non, c'est pas un phénix, c'est un harceleur. On l'a vu avec Renaud, le chanteur. On l'a vu avec Chirac, le moment de Balladur. Par Renaud, il a du talent. Le talent n'est pas mauvais. Yvette Horner est revenu sur la scène aussi. Psychologiquement, les gens adorent psychologiquement les gens qui renaissent. Les gens détestent les harceleurs. C'est un harceleur de bureau. Il ne veut pas avoir tort, il ne veut pas qu'on l'abandonne. Il veut décider tout. Il se défait de ses propres collaborateurs. Il ne veut pas être quitté, on le voit bien par les femmes, il veut les quitter lui-même, c'est vraiment un malade. Ça me semble un peu réducteur. Je donnerai à la police de la pensée à nos amis notre adresse pour qu'ils viennent nous chercher rapidement. C'est un malade. Non, juste une précision, c'est qu'effectivement, je rebondis sur, je ne sais plus qui a dit ça, mais que les primaires étaient le symptôme de l'absence de chef. Je pense que c'est le symptôme et ça peut être aussi le médicament, entre guillemets, c'est que le seul avantage de ces primaires, c'est qu'ils permettent un débat. Alors là, je parle plus des primaires du coup de la droite que de celles de la gauche, mais ils permettent un débat entre des personnes qui n'existeraient pas sinon. Je pense effectivement à Hervé Mariton ou à Jean-Frédéric Poisson, qui n'existent pas autrement que... Ils n'existent pas d'abord. Non, mais c'est vrai, ils n'existent pas. Et alors, ils se révèlent plus intéressants que... La vraie campagne n'a pas encore commencé, je pense. Et il se trouve que, peu importe la place médiatique qu'ils occupent, quand on rencontre tous ces gens-là, il se trouve qu'il y a chez l'un comme chez l'autre une profondeur qui n'existe pas ailleurs. Exact. Et que c'est peut-être un moyen... D'accord. Ces primaires sont peut-être un moyen d'avoir accès à ça et de rendre un tout petit peu d'honneur à la classe politique. C'est vrai que quand si on, ça peut servir à ça... Quand on rencontre Poisson Mariton, on croit encore en la politique, on se dit qu'il y a des gens qui sont bien. Oui. Hein, je ne les connais pas plus que ça, mais je me dis, tiens, c'est quelque chose qui est assez sympa. Après, je ne sais pas. Sauf qu'ils feront 0,4%. C'est après, qu'ils feront 0,4%. Alors vous êtes sous le charme, de toute façon, vous êtes sous le charme d'Emmanuel Macron. Ce que j'ai vu, vous aviez titré, il est beau mon Macron. Donc, il est frais mon Macron. Il est frais mon Macron, c'est ça. Non mais le gouvernement donne vraiment une image de sauf qui peut, c'est vrai. Hein, franchement, on a l'impression qu'il se marche dessus pour sortir du Titanic rapidement. Emmanuel Macron a ajouté à la pagaille, ainsi que Georges Pau Langevin, d'ailleurs ministre des Outre-mer, qui s'en va aussi pour raisons personnelles. Sauf qu'on ne savait pas qu'elle était arrivée, donc ça c'est un problème. Voilà.
Macron, je l'embrasse d'ailleurs parce qu'elle était ma collègue. Souvent. Macron lui aussi que c'est ses dents rayer le parquet de l'Élysée et qu'il a fallu qu'il parte effectivement rapidement. Je pense que Macron est vraiment le candidat, la coqueluche du système 2017. Il l'incarne totalement en étant à la fois le candidat de la finance, je trouve, le candidat d'Henri Tinck, d'Attali, le candidat de Terra Nova. Enfin, il a tout pour lui, le candidat des médias. On le voit dans Gala, on le voit dans Match, on le voit au Puy du Fou. On le voit, il va finir par se faire sacrer à Reims après les fêtes. Alors, cela dit, un truc sur Macron qui est fabuleux, c'est qu'il va au Puy du Fou et conduit un char. Oui, exactement. Sur un quadrige. Voilà. Thomas Turge, le mec. Déjà, on savait que Philippe Bévilliers était fou, mais en plus, bon. Il est nigo. Il se prête à cette bastia. J'ajouterais une donnée personnelle, mais vraiment toute personnelle. Vous allez la trouver people, peut-être même. Une donnée personnelle sur ce couple Macron, qui est un couple pour moi de combattants, qui est un couple dur, très dur, parce que finalement, ils ont affronté toute la bourgeoisie d'Amiens lorsque lui était son élève de première de 17 ans. Il couche avec maman. Qui a été son professeur et qui est parti avec lui. C'est les risques du métier avec Jacques Brel. Un couple qui a vécu ça et qui rêve du pouvoir est capable d'y arriver, je pense. Caroline, tu vas ressentir les différences d'âge. Voilà, allez. Vous avez fini. Je comprends aussi qu'il n'est pas. Juste sur la question de Macron, effectivement, il a fait. Notamment, il a été au Puy du Fou et il est rentré à fond au Puy du Fou et il a fait toutes les activités. C'est pas. Il ne s'est pas simplement montré là-bas. Mais je veux dire, ce n'est pas juste anecdotique. C'est qu'il a aussi participé. Il a aussi accepté d'être l'invité aux fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans, et je sais à peu près ce que ça représente. Il s'est présenté à l'un et à l'autre, et c'est quelqu'un qui est capable d'entendre et même de retranscrire dans son discours une inquiétude populaire, et ça n'est pas rien. Ça, et c'est là où il faut... Alors ça, j'en doute énormément. Non. Ce qu'il a dit au CGT à propos de son costume ne venait pas réaliser. Je ne parle justement pas d'une inquiétude sociale ou économique, je parle d'une inquiétude identitaire qui est évidemment celle sur laquelle va se jouer cette élection. Il n'y a qu'à voir le retour en face de Sarkozy. Pardonnez-moi de vous dire, Nicolas Gauthier, quand il dit à Philippe de Villiers au Puy du Fou, c'est là qu'il décide de dire « je ne suis pas socialiste », ça a un sens. Oui, mais ce n'est pas anodin. Mais ce qui est parfaitement hilarant, c'est que Philippe de Villiers se prête à une telle mascarade. Enfin, il est le ministre de l'économie, il reçoit le ministre de l'économie. C'est le premier ministre de France qui vient au Puy du Fou. C'est le premier ministre de gauche. Le premier socialiste qui vient au Puy du Fou. C'est-à-dire le sectarisme de ces gens-là. Même vous pouvez aller au Puy du Fou. C'est dire. Voilà. Allez, Christian Combaz, le dernier mot. Simplement, moi, je vais dans un café de l'Aveyron assez souvent, et puis j'ai vu Macron à la télévision au coin du bar, et ce que j'ai entendu à son sujet, il dit, mais celui-là, c'est un branleur. Et voilà. Et donc, il n'est pas vraiment proche du peuple. Mais OK. Mais c'est pas ça que je dis. Non, mais attendez, laissez-moi répondre. C'est pas ça. Je n'ai jamais dit à aucun moment qu'il était proche du peuple. Et effectivement, sa réplique sur le costume le prouve. Je dis que c'est le seul qui est capable de comprendre que c'est une inquiétude populaire et peut-être de l'instrumentaliser. Il n'empêche que c'est le seul qui est parti à Orléans et qui a été à ces fêtes de Jeanne d'Arc. Ça faisait 10 ans qu'aucun ministre ni président de la République, ce qui s'était toujours fait, aucun ministre ne s'était pointé. Le prix d'une vidange au garage voisin, mais c'est pour ça, je ne dis pas que qu'il est proche du peuple, je dis qu'il l'a compris et qu'il l'a compris intelligemment. Et qu'il est rare qu'on ait des gens intelligents en politique et qu'il faut au moins saluer ça. Il est capable de le comprendre. Cher Charlotte, je ne sais pas si c'est intelligent, en tout cas, il est un fait qu'il est malin, mais quand devant les employés d'un abattoir en Bretagne, il évoque les salariés illettrés. Oui. Parce qu'on peut être un ouvrier, on ne sait pas lire. Mais parce qu'il n'est pas du même monde. Il est de l'hypermonde. C'est l'élite de l'hypermonde. Donc il ne sait pas tout ça. Tout ce qu'il sait, et ça, Charlotte, je suis d'accord avec vous, c'est qu'il a le sentiment que le phénomène identitaire est quelque part. Alors et toute la mascarade de la démocratie repose là-dessus. C'est le seul à l'avoir compris. Je sors de la même école que lui. J'ai passé 30 ans en province, au coin du même café, celui dont je parlais. Je vais vous dire, j'ai l'impression de connaître le peuple mieux que lui. Mais bien sûr. Nous n'avons pas le même vie. C'est pas parce qu'on est sorti chez les Jésuites parisiens, ce qui est mon cas aussi, qu'on est voué à la Banque internationale. Voilà. Non mais, ce que dit la petite Dornelas, qu'est-ce qu'elle dit la petite Dornelas? Elle dit juste que dans le néant absolu il a compris. De la gauche, de la droite et du centre, le Emmanuel Macron, avec ses petites saillances là, ses petites saillances cognitives rigolotes là, son petit Orléans, son petit machin. Mais j'ai été là, la première à dire que précisément truc, en arrivant à Orléans, il n'avait pas compris que c'était pas lui. Elle est contente. Roi. Non mais elle est contente. Mais c'est pas là. Ça. Que dans les là, c'est contente. Bah, plus mais de mépris encore. Merci, allez, quoi. Le gars n'est pas parler de Villiers. C'est tout. Même dire qu'il n'est toujours pas candidat à la primaire de la gauche. Non. Il ne sera jamais. Bon, écoutez, Charlotte, vous auriez trouvé un très bon défenseur en moi et votre avocat ne prenait surtout pas Nicolas Gardère. Mais ça, j'avais pas besoin de vous le dire. Allez, les candidats.
candidats à la primaire mangent des voix à Hollande, ils se nourrissent de Flamby. Eh ben c'est sa fête. L'Élysée aussi est envahie par les Pokémon, Pokémon, Pokémonbourg, Pokéliman et Pokémacron. Voilà, allez, vous avez été pour revenir au premier sujet. Bravo Ignace d'avoir fait la boucle, le rond. Moi j'ai le petit bâton, vous le savez. Allez, on regarde une vidéo. Ensemble, vous allez découvrir une vidéo avec une question qui vous est posée directement, question qu'on base, et c'est vous qui répondrez, et vous seul. C'est tourné manège. Oui, quasiment. Oh, bah, écoutez, Christian Combaz, on vous connaît bien sûr pour vos chroniques villageoises, les gens de Campagnol. Ce qu'on ne sait pas de vous, c'est que vous êtes un adepte du parapente. Du coup, je me suis dit que si vous pratiquez cette discipline, c'est que vraisemblablement, vous étiez un mordu de nos belles campagnes de France, avec ses paysages préservés, que vous étiez un amoureux de nos villages séculaires, avec leurs églises et leurs vieilles bâtisses. Mais ça, c'était avant. Avant que nos petits maires, souffrant de la culpabilité campagnarde, du complexe du ringard, ne jurent que par le relooking rural signé Jean-Claude Decaux et Vinci. Nos petits maires ont désormais honte de leur village tant qu'ils ne sont pas équipés d'abribus en verre et de mobilier urbain. Mais avant tout, pour nos petits maires, le nirvana, le rêve absolu, que dis-je, le fantasme, est de remplacer chaque croisement par un rond-point. Et si l'on pouvait en plus avoir quelques éoliennes, ce serait top class. Imaginez l'émotion du maire de Voult-sur-Rhône à la vue d'une éolienne qui traverse son rond-point. Bon. Enfin, c'est vrai que pour les éoliennes, il y en a toujours la moitié qui sont en panne et on est vraiment certain que ça ne sert pas à grand-chose. Mais un rond-point, c'est utile. Ça évite les feux rouges et les stops. Le problème, c'est que dans les campagnes, on a rarement besoin d'un feu rouge. Mais alors, à quoi ça sert un rond-point ? À jouer dans la cour des grands. Le rond-point a des super pouvoirs. Il place le maire de la Voult-sur-Rhône au même rang que celui de Lyon. Ha, on n'est pas des bouseux, on a un rond-point. Il y a rond-point et rond-point. Il y a le petit rond-point à 500 000 euros, la version basique, un peu le truc vraiment pas très bien équipé. Et puis il y a le full option, le rond-point à 1 million d'euros. Voilà, le modèle dit ornementé. Le problème, c'est que c'est devenu une véritable maladie. On en a construit 40 000 ces dernières années. On a construit autant de ronds-points en 30 ans que d'églises en plus de 10 siècles. Les Français sont les champions du monde des ronds-points. Les ronds-points ont coûté 30 milliards. Ils enlaidissent nos paysages qui, eux, font la fortune du tourisme français. Dès lors, la question est, vous, Christian Combaz, qui voyez les choses de haut, qu'auriez-vous fait pour nos campagnes des 30 milliards dédiés aux ronds-points ? Vous avez le droit de répondre, des ronds-points. Je vais répondre de manière extrêmement rapide. Ça m'a rappelé l'émission de Jean-Pierre Pernaut, dont on m'a encore reparlé lors d'un dîner d'énarques hier, et mes amis ricanaient évidemment sur l'exercice auquel je vais me livrer chez vous dans quelques semaines, qui est une sorte de chronique villageoise au quotidien, avec des sujets très brefs sur des à partir du 12 septembre du 12 sur septembre. TV Liberté. Je vous en remercie encore. Il va de soi qu'il ne s'agit pas du tout d'opportunisme de ma part, puisque c'est un thème que j'aborde depuis 30 ans dans plusieurs de mes livres, et si vous me faites l'amitié d'aller sur Internet, vous verrez que je l'ai souvent traité, encore récemment, dans un petit livre qui donne son titre à l'émission, qui s'appelle « Jean de Campagnol ». Donc, je regrette beaucoup la disparition de cette émission qui s'appelait « Combien ça coûte ?». Pourquoi a-t-elle disparu? Pourquoi ne s'en est-il pas plaint? Sans doute parce que la soupe est bonne et qu'il a continué à avoir une grande louche. Mais elle était très nécessaire. Il y avait un compteur de gaspillage. Et pour avoir été conseiller municipal dans un petit village de montagne de 500 habitants, je peux vous dire que le gaspillage, par simple amour propre,
C'est-à-dire les élus qui dépensent pour des ronds-points, mais également pour des matériels absolument inutiles, pour des abris en plexiglas, cassés tout de suite, pour toutes sortes de choses qu'on leur fait miroiter, parce que c'est souvent un copain du conseil général, du conseiller général, qui leur dit « Tiens, tu devrais voir un tel de l'entreprise, machin. » Donc il y a une espèce de réseau d'influence vers les petits élus qui fait que ça les pousse à la dépense en permanence. Ils sont maintenant absolument faits aux pattes parce qu'ils n'ont plus les moyens de rembourser les emprunts stupides qu'ils ont contractés. Ça, il faudra bien qu'on en parle avant les élections, même présidentielles. C'est un thème que je me propose d'aborder, car ça représente, et où est la caméra ? Je vous rappelle ce chiffre, la moitié de la population, celle dont je parle, vit sur 97% du territoire. Voilà, c'est la France dont je parle, c'est la moitié des gens sur 97% du territoire. Donc je sais ce qui s'y passe, puisque j'y ai toujours vécu, et je vais vous le raconter tous les jours. À partir du 12 septembre, Jean de Campagnol. À partir de 12 septembre avec Christian Combaz, ça sera sur TV Liberté, une chronique quotidienne de 3 minutes, entre en main. 3 minutes. On commence mais quand les tournages sont innombrables. Les sujets sont innombrables, vous allez défendre des gens comme nous. Voilà, des gens normaux, pas forcément ce qu'on appelle des bouseux, pas forcément du pittoresque, mais des gens qui ont du mal, des gens qui ont du mal à faire reconnaître leurs droits, qui se font coller, comme je l'ai vu cette semaine, 5 PV dans la même semaine parce qu'on ne met même plus le papillon sur le pare-brise. Mais on se fout de nous. C'est-à-dire qu'une contravention dont vous n'êtes même pas conscient, comment peut-on la réitérer le lendemain et le surlendemain ? On se fout du peuple. Mais vous êtes réactionnaire. Non, enfin... Donc, vous êtes réactionnaire ? Oui. Il me semble qu'effectivement, je dois répondre à la définition assez bien. Oui. La réaction, c'est la vie. Non, on n'a plus le temps. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain Bistrot Liberté. Il me reste à remercier bien évidemment le public, parmi eux de nombreux donateurs. Merci à vous d'être avec nous. Merci à notre producteur Arnaud Soyer, à notre réalisateur Raphaël Dauteville. Merci et on se retrouve dans 15 jours. Merci de votre fidélité. À bientôt.